Bonsoir à tous, instant Podcast. Salutations euh, Eh bien bienvenue parmi nous hein, en, en ce, ce, cette charmante petite soirée soirée comment dire euh, soirée fraîche hein, j'imagine pour tous hein, euh, voilà mais bon ce soir on va parler je jodrome on va parler de beaucoup de choses des xénomorphes à plumes ou je mélange un, petit, un peu un peu de tout mais ce soir je vais le faire avec Fred le seul l'unique qui a Bonsoir. sorti là, le t-shirt tellement il fait chaud dans le nord de la France. Alors je triche parce que le chauffage il a bien, bien tourné toute la journée, donc là je peux me permettre le t-shirt ce soir. Mais en fait, euh, voilà, on, on peut se faire une journée euh, chill, faire une soirée chill, vu que là nous ici c'est du moins 5, moins huit de la neige, du verglas, alerte rouge sur le Luxembourg et tout et tout 20 cm de neige. Que du bonheur. Bon ouais, d'accord, j'ai rien dit. Voilà. Alors, bah, bah voilà. Bah, euh, bah, pour ceux qui ne vivent pas au pôle nord, euh, voilà. Bah, <laughs> ça se <'est> mieux. Hein. <laughs> bon, euh, j'espère que ça va toi. Écoute, ouais, tranquille, euh, heureux, parce qu'il y, y a plein de trucs qui arrivent et tout, donc euh, ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà. Ah là, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, là. Purée, ouais. <laughs> oh là vache. Oh, ça oui. Incroyable. Ah oui. Et, et bah, salutations et wow. Euh, merci, Chamaël. Voilà, pour les 10 voilà. subs. Ouais, ça ne s'arrête plus, mais merci, merci beaucoup. Merci, bon, bah, merci écoute. du fond du cœur. Ça, ça surprend oui. toujours. Wow. Oui, ça surprend toujours. Et puis, il bah, faut, 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 faut arrêter aussi, quoi. C'est gentil, mais comme euh, ça. Ah, oui. <laughs> Okay. Voilà, quoi. Voilà. bon voilà en tout cas voilà on ah. fait plein de bisous et puis très euh... gros bisous alors. ouais ouais on, on se fera un truc spécial Chabahel un de ces jours une émission spéciale Chabahel tiens voilà spéciale Edikas elle nous elle nous fait une liste des jeux qu'elle aime bien et on fait que sur ça chiche banco marrant ah bah ouais, ouais, bon voilà alors vas-y <laughs> n'hésite pas à hein, balance-nous ta liste on s'occupe de tout c'est ça euh, s'il te plaît il faut pas qu'il y ait fatal dans le lot voilà on ah, aussi je demanderai médite. ça être rigolo euh... ouais les entre les, les amuse-bouches la totale c'est ça. Bon, euh, sinon, euh, ben bah, bien, euh, rappel, hein, euh, s'il y a problème d'image, de son, tout ça, il ne faut pas hésiter. Euh, et puis, salutations à tous ceux qui sont là, qui nous regardent, qui nous écoutent. Hein, voilà. Euh, en live, à ceux qui sont en replay et, et aux autres. Hein, voilà. Donc, rapidement, euh, salutations à Brett, Elite, Angel, Colive, 2K2, oui, je reparle juste après. Shamrock, Angel, Col, Plume Vagabonde et puis Béchemael. Voilà et tous les autres. Et oui, oui, la nouvelle Delta Green en français, je l'attendais plus. Franchement, s'il y a bien un jeu que j'attendais plus dans nos vertes contrées, c'était Delta Green. Alors préparez-vous, parce que 2024, c'est une année dans laquelle je vais vous gonfler avec ce jeu. Ah oui. oui euh... Pellegrin en avait parlé en fait. J'avais un peu cuisiné certains. Ah un oui, <laughs> des créateurs, oui. en fait, parce que ils ah avaient oui, cinq bon. traductions. Ouais. On savait pas trop chez qui, ça se. Euh, voilà. Mais euh, Artung Toulou, euh, ouais, 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 il paraît que quelqu'un fait. Oui, il arrive chez quelqu'un, mais euh, voilà. On attend. Ah, moi, j'attends pas, je le prends en VO. <laughs> Donc voilà. C'est vrai, c'est dommage. Ah, Artung, ouais, on en parlera à l'occasion parce que ça aussi, il euh, y en a peut-être quelques-uns dans, dans... Là, là derrière. Mais Delta Green, Delta Green, meilleur jeu du monde. Bref, oui. euh, on, va, on va se calmer parce que là, c'est pas le sujet de ce soir. Quoique, on, on peut on encore peut, on peut, on peut, on peut déraper pendant 3-4 heures sur Delta Green. Vous avez dit que c'était le meilleur jeu du monde je te, je, te ferai, voilà, je te ferai juste les questions. Et puis on se fait 3 heures de, euh, maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. Euh, OK. Alors, Delta Green, oh, c'est bien, bien. Vas-y, dis-nous tout. C'est tombe bien <laughs> meilleur jeu du monde. <rire> <rire> voilà, et mensonges, c'est un droit à vérité, un privilège d'innocence, c'est un luxe, oui. Ces trois phrases. Voilà, voilà tu, tu, tu as résumé Delta Green. Voilà, c'est les phrases, c'est le truc qui était au début du bouquin de base. Incroyable. En <laughs> tu t'as tout compris. Fabuleux. Meilleur jeu du monde, meilleur jeu du monde. Bon ben bah, écoute, Il y en a... hein, voilà. Faut que je me calme. C'était pas le sujet, mais j'avoue que la news m'a fait bien plaisir d'autant que y a des gros strades qui sont annoncés hein, entre Delta Green et Broken Compass. Mmh, voilà. Hein. Va, je veux dire pour moi si deux des meilleurs jeux du monde sont annoncés en France. Et on se doute que ce sera dans un format pas. Le produit fini, il va pas être dégueulasse. Ouais, ouais. Après, moi, je, 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 voilà, je fais attention quand même au prix parce que ces derniers temps, le jeu de rôle, ça fait, ça fait mal où je pense. Hein. Oh oui, non, mais bah, on est d'accord. Mais bon. <laughs> Bref, euh, bon, voilà. Donc euh, ce soir, il y, y aura qu'une ou deux. Et puis, bah, on ouais, pense à Emmanuel oui. qui ne peut pas être là pour problème de santé. Propose-toi eh, bah, oui. bien. Attention oui. à toi. Euh, ah. Ça va être salut à toi. Donc, ce soir, on va, parler... on va parler de jeux de rôle, on va parler de pas mal de petites choses, on va parler de deux jeux très 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 très, très proches hein, dans l'esprit, Aventure à ah, plumes oui. de comme Martin et oui, Building oui, oui, Better oui. World pour Alien, vous allez voir ça. Oui, voilà, tu, tu peux jouer la, la, la bande à Picsou chez Alien, c'est pas mal. C'est ça, Parce... hein, sur les colonies perdues, euh, une petite enquête ouais. sur les colonies perdues, et mine de rien, ça se rapproche peut-être du contenu du bouquin bah ben oui tu vois une, une petite enquête avec des xénomorphes tout mignons et tout ça peut être super cool avec l'aventure à plus. ouais bah ouais voilà. ah oui puis cette messe aussi qui a sorti ah pour... oh non mais euh... oui oui mais 2024 ça s'annonce euh... plutôt ça bien ça s'annonce incroyable hein. 2023 m'avait un petit peu déçu quand même parce que euh, pas ouais, de mais... pareil des beaux trucs mais pas tant que ça oh, 2024 accrochez-vous hein. wow, je suis obligé de trouver un deuxième boulot à côté là <laughs> parce que là niveau achat ça va piquer hein. wow. ouais. Tu faire pl la plonge à McDo, ça tombe bien, il n'y a plus rien à laver. <laughs> c'est voilà. ça. Delta Green en veuf, même à 60 balles de bouquin, tu pourrais dire que bah déjà je crois que 60 balles, c'est à peu près le prix en... aux États-Unis. En 0. Hein, en... ouais, ouais, Donc euh, en 65 balles, 70, moi je... Moi... moi je prends. Et je vous dirai pourquoi vous devez le prendre aussi. Oui, pourquoi vous devez euh, lâcher votre PEL dans ce jeu. <laughs> oui. Beaucoup de Bon, sont, effectivement. Oups, voilà, il oh, y aura beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Voilà, ça J'ai envie de refaire du Delta Green en campagne, c'est terrible faut au moins trois ans que je n'ai pas saoulé mes joueurs avec. Écoute, ce sera l'occasion pour moi de m'y mettre tout court, donc voilà. Puisque là, la VF est complètement hors de prix, donc c'est une question que je craque pour la sans tours. Oui, oui, sachant que dans les bouquins, tout n'était pas bon à prendre. Attention. Oui, non, non, mais voilà, c'est bien. Au moins, il y aura On repart de zéro à 3. Tout n'était pas bon. Attention, dans un jeu exceptionnel, il y en a juste des suppléments qui sont juste moins. Ils sont juste très bons extraordinaires. Et du coup, pour certains, ça justifie de les vendre d'occasion à 250 balles. Ah, ouais. J'ai vu à 250 balles la Condon. Condon, qui est un catalogue. Bah oui. <laughs> les collectionneurs, hein. Ah tous oui. Tous les jours, un, tous les jours, un pigeon se lève. Hein, c'est, comme ça. On hein. ouais, fera peut-être ça. Faire ça de ces quatre. On essaie de trouver les plus belles annonces, les plus, les annonces les plus. C'est pas très. Ah, ouais. C'est pas très. Je sais pas si c'est très légal de faire ça, de balancer, de montrer oui. des annonces. On foutra. On foutra, on mettra pas les noms quoi que ce soit. mets juste le prix et puis l'objet, puis c'est bon. On essaiera de vous faire un petit panel chaque semaine de voir des annonces un peu les plus... What the fuck qu'on ait pu trouver dans notre petit milieu. Je crois que ça pourrait être amusant. Ah, le marketplace de la FNAC est quand même assez extraordinaire. T'as vu celui d'Amazon Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Par curiosité, j'ai regardé Broken Compass. Broken Compass en anglais, le livre de base, il est à 200 balles. Alors qu'il il est disponible OK ben, j'ai j'ai dit c'est incroyable si tu de tu as les intégrales de chez Mnemos, tu sais Ah oui ils oui, oui, oui. sont toujours dispo sur leur catalogue et tu as des fois sur Rakuten Amazon tu as le prix normal oui. parce que c'est encore dispo et tu as les mecs qui les revendent à 115 150 balles <laughs> les mecs arrêtez. Ouais. Bon bref on va pas accueilli... faire une émission là-dessus parce que Non on, ah, on pourrait mais c'est pas le sujet de ce soir Voilà c'est Donc... ça <laughs> Uh, Condon 250, tu vas le tien direct pour la nouvelle gamme. Bah, franchement, ce euh, serait pas idiot, euh, d'autant que Condon, il a été, il, est... il a été réédité dans la nouvelle édition. Ils hein. ont mm. fait un financement pour éditer les anciens suppléments pour les remettre à jour avec le système et la maquette et tout. Peut-être <laughs> que tu le vends et dans, dans un an, tu le récupères. Hein. C'est ça. Et voilà. Les et 200 balles pour ouais, <laughs> joli, joli, joli. Je la note. Ouais, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est, elle est retenue. Un balisto pour cet homme. Ah oui. Bon, euh, ce soir, on va commencer, on va parler rapidement, de bah, toute façon en formule classique, hein, voilà. on va parler des achats, des services presse et de tout ça, oui. tout ça, tout ça. Et adieu, salut, salut, tous. Oui. salut Cédric. Donc, on va parler, on met la petite bannière qui va bien, les achats, les services presse et tout ça. Ouais. Alors, service, service presse. Je commence presse. Ouais, bah Fabula Ultima. Je vous le montre pas parce Fabule que je l'ai déjà je vous montré fait. avec euh, mini unboxing. Euh, et bon, et ouais. tu m'as donné envie, hein. Et pourtant bah, c'était pas ma cam, mais... Non, non, franchement, oui. bah, je pense que dès qu'il passe en boutique, euh, mm. il fait, ça, ça fait ni dans le sac. Hein. Ouais, ouais, donc euh, mais du coup, après, on a fait l'émission le dimanche avec KFR euh, sur les JRPG. Mm. C'était un, un vrai bonheur à faire. Quand même, je me suis régalé moi. Donc voilà, donc Fabula Ultima euh, En service prêt, je crois que c'est déjà pas mal. Hein, oui. Ma foi. Et euh, non, c'est des achats. Mais je te laisse commencer, si tu veux, toi. Alors, niveau jeu de rôle cette semaine, rien du tout. Rien. Nada. Potzop, le néant. Par contre, peut-être que figurine. Ah bon peut-être que je suis dans la merde. Voilà. Ah, euh, euh, tant pis. Hein, donc, euh, parce que, 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 ah, parce que. Parce que peut-être. Voilà. Parce que, parce que Warhammer. Euh, ben voilà, Donnez un PEL à cet homme. <laughs> S'il vous plaît. Donnez. Give, give me money. Give me money. Ah, voilà. Non, parce que, voilà, il y, y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Je peux montrer rapidement, mais il y a des. des, des voilà. Entre un, voilà, moi j'adore. Euh, Warhammer 40 000, petit bonhomme. Là, il y a du nécron, pour ceux qui y en ont. C'est des sortes de des, des, des ro des, des robots psychotiques euh, type égypte antique. Il euh, y, y en a beaucoup. beaucoup. Enfin, bref, en fait, toutes les nouvelles sorties. Je me refait une nouvelle armée. Voilà, je l'avais à goût du jour parce que la mienne, elle avait 15 ans et que les figurines, elles étaient moches. <laughs> Donc, euh, bon. L Objectif quand même de cette année, c'est de peindre tout ça. Voilà. Mmh. Donc, euh, non, non, c'est prévu. Hein, voilà. Euh... La peinture, c'est voilà, quand même, au bout d'un moment, euh, collectionner, c'est bien, jouer, c'est mm. cool. Euh, jouer avec des, des figurines peintes, c'est bien. C'est le Roi Merlin, Castorama, Bricomarché Marché, tout ça. Ouais, 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 voilà, t'as tout compris, okay. exactement. Ok, ça, ouais, ça, ouais, euh, pas, ça. Si ça va. Ouais, ouais au oh, rouleau, ça passe. Mais ça passe, euh, voilà. mais passe nickel. Après, voilà, je me suis racheté un aéro, donc euh, ouais, il va y avoir de la figurine. Ouais, bien. <laughs> ça va être bien. il y a un autre établi de peinture à côté, là, c'est c'est bazar. bazar. J'ai plus, plus de place pour les bouquins. Voilà, ouais. beaucoup, beaucoup, salut beaucoup de choses. Jean salut Jean-Marie. Eh, salut Jean-Marie. Donc, moi, voilà, moi, c'est juste beaucoup, beaucoup de figurines. Pas tout ouais. vous montrer, ça vous parlera peut-être pas. Hein, voilà, mais bon, il y a du Boudangel, du Necron. oui ça va être trop bien. Ouais. On, on demandera à voir. Euh, bah, écoute, de mon côté, j'ai profité des soldes euh, pour une fois. J'ai plus. Euh, ça m'a coûté quand même beaucoup moins cher que si je l'avais acheté neuf c'est un peu le principe euh, je vous ai déjà parlé de Midnight Tower, ce petit éditeur anglais indépendant que j'adore en 5ème édition un petit peu beaucoup bon, je vous saoule régulièrement avec mm. ouais ben, en fait il me manquait deux suppléments bah ben, les voilà 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 Hunter's Full Moon trilogy qui était le dernier euh, Kickstarter et Rise of the Ice Dragons alors CD euh, salut Jean-Marie et euh, voilà donc euh, bah écoute j'ai profité des soldes pour les prendre que 35 balles au lieu de 50 chacun autant me dire que je suis heureux et c'est des mini campagnes. Euh, moi ce que je vous présente à chaque fois sur la chaîne c'est les one shot hein, mm -hmm. What happened to Evie Ashwood, euh, The mysteries of cursed statuette donc euh, dont, je, dont je vous parlerai les mini campagnes alors c'est plus classique dans la construction etc on en, voilà, on sent qu'on est vraiment dans du donge mais il y a quand même toujours cette petite patte night tower que j'adore donc ce sera l'occasion plutôt que de faire Secret of the draws que je voulais faire bah, je vous ferai les trois d'affilée. Puisque Hunter's Full Moon, c'est censé être le. Ah, putain, je vais y arriver, voilà. C'est censé être le premier, niveau 1 à 3. Ensuite, oui. tu as euh, Secret of the Rose. Ensuite, tu as Rise of the As Dragons et Prophecy of Nine Omens. Et le cinquième, on en reparle. Donc voilà, ça, je me suis fait mon, mon petit plaisir. Je suis très, très content parce que. Bah, J'adore cet éditeur, quoi. Voilà. Et surtout, on va se faire un petit unboxing à l'arrache, vite fait bien fait parce qu'il y a un pledge que j'attendais, dont j'ai déjà un, peu, un petit peu parlé, que j'avais fait en 2020, vous savez, l'époque Covid, où on avait un petit peu des sous, etc. Et, et où j'ai bien craqué, craqué comme il faut, avec des pledges là, hors de prix. Euh, ça, j'arrête. Avec des pledges hors de prix. Je crois que c'est le premier où j'ai vraiment craqué craqué mon slip là-dessus. Je crois que c'est un pledge à plus de 150 dollars, ou quelque chose comme ça. Euh, c'est ecna Ekna Campaign Setting. Donc, c'est un carnaval... Euh, un carnaval horrifique en cinquième édition. Mais alors, ça déborde de goodies. Donc, j'ai déjà vous montré les petits goodies, parce que, ben, quand même, c'est la première fois que j'ai un truc rempli de goodies. Hein. Déjà, vous avez les dés popcorn. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique Donc, les dés, ça donne ça. Et, effectivement, ça fait maïs souffler. quoi. <laughs> Donc, voilà. Pour ça, on avait ensuite avec... Quand je vous dis que j'avais craqué... C'est sérieux, quoi. Ce hein. Il y avait le le truc pour les dés, <coughs> mais en forme de paquet de pop corn <laughs> Si c'est pas splendide, ah, j'adore. Non, mais j'étais obligé de craquer. Enfin, quand tu vois ça, tu fais Ouais, non, mais je le oh, mais je le veux. Voilà. Donc, hop, dedans. Voilà. Donc, ça déjà. Ensuite, on a euh, les sorts, mais en forme de cartes. Et attention, les cartes. Regardez-moi oh, ça. Des cartes animées. Voilà. Bon, ça, je t'avoue que ce n'était pas mon... <laughs> mon truc préféré, mais c'était dans le pack. Donc, euh, voilà, tu vois. J'adore. Mais tu as tous les sorts comme ça, quoi. On boit quoi avec les popcorns? Vive 2024, Jean-Marie. Mais écoute, on peut boire tout ce que tu veux. De toute façon, la prochaine... quand on se verra, t'inquiète, euh, on aura l'occasion de trinquer comme il faut. Il n'y aura pas de souci Donc voilà, déjà, il y a déjà ça. Ça fait déjà pas mal, hein. tu te dis, ouais, oui, mmh. et tout. Et ensuite, alors je vais mettre un petit peu ça de côté, ça voilà. Hop, Je vous le fais en, en même temps. Il y avait l'écran, bien sûr. Ah, tu as aussi reçu la, la deluxe. Euh, ah, t'as eu l'écran en double. Excellent. Excellent. Euh, voilà. Donc ça c'est l'écran. Donc c'est un trois panels. On va voir s'il y a le titre. Je le découvre hein, parce que je ne les avais pas déblistés ni quoi que ce soit. Hein. Bah écoute, moi j'aime bien, tu vois, quand c'est plusieurs paysages comme ça, ça te montre l'ambiance, donc c'est le cycle que horrifique. Et comme je disais, sur les trucs anglo-saxons, tu as toujours le titre. Mais euh, franchement. Euh... Bon, vu que c'est ouais. sur le quatrième panneau, ah ouais, fou, ouais, ouais, ça ouais, va, ouais, ça passe. Voilà, et, et l'écran, mais regardez -moi. Putain, je le découvre. Oh, trop bien, tu as le plan. C'est bien ça. Mais, mais c'est trop bien. Je le découvre, hein, donc euh, excusez-moi, hein, mais du coup je m'extasie en direct. Euh, ah ouais, t'as carrément les illus et tout. Euh... Ouais, non, bah, écoute, je kiffe. <laughs> voilà. Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans Les random encounters. Ils ont mis... Ah ouais, c'est que des trucs pour la campagne, quoi. La corruption de, du clown, etc. Ouais, bah écoute, euh, super cool, donc vous, vous m'excusez, ça fait un peu de bruit, mais je mets tout ça de côté. Et surtout, wow, la vache. Ça doit bien faire 3 kilos. La, la box, la réveilla box en édition collector. Donc comme ça, vous voyez la webcam en, en, en transparence. Donc, je vais découvrir ça en même temps. Allons-y. Je, je vous raconte pas le, le colis quand il est arrivé. Hein. Ça, ça pesait un anneau mort. Hein. <laughs> On aurait dit deux spectaculaires settlements pour le prix d'un. Tu sais. <laughs> ah Ouais, ouais. ouais, veux ouais. Dire, tu, tu veux dire le, le, le pavas, l'annuaire, la, là Ouais, ouais, le bourré, c'était mémorable. Oh. Et à transporter, j'ai besoin d'un transpal, hein, déjà de base. Ah oui, il te, faut, il te faut ça, quoi. Alors, allons-y, j'ouvre la boîte. Bon, déjà, vous voyez un petit peu le truc, hein, c'est euh, splendide. Oh mon dieu, il y en a partout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis Alors, déjà, ça, c'est tout pour mettre les cartes. Ok. Toujours, toujours pratique. Qu'est-ce que c'est Oh, ben oui, mais formidable. La carte en tissu. Ça, c'est bien. Putain, avec est classe, hein. La vache. Oui, c'est l'impro complète là. Hein. Mais c'est comme ça de boîte, bordel. <laughs> Qu'est-ce que c'est que ce truc Oh, t'as le ticket doré. Voilà, qui te donne le droit d'aller au, au cirque. Euh, tu as... Euh, Qu'est-ce que c'est que ça euh, Shuffle, Story and Engine, Random Encounter Deck. Voilà, deck de cartes pour gérer les, euh, les rencontres. Ça, ça doit être tous les PNJ. C'est ça voilà Je ne vais, vais pas tout déballer parce que je ferai, je ferai une vidéo, bien évidemment. Hein. Alors, ça, je ne sais même pas ce que c'est. La serviette pour l'apéro. Ouais. Alors, oh putain, c'est ouais, un sac de merde. Hein. Donc, euh, voilà, on va le découper. hop Voilà. C'est vraiment fait à l'arrache. Hein. Écoute, je ne sais pas ce que. Ah, je crois que c'est des tickets. C'est ça. Ah oui, c'est ça, oui, c'est des tickets. Tu as les tickets pour aller au cirque, C'est super. Voilà. Donc, j'enlève les machins plastoc du milieu. Et oh putain, il y en a partout en fait. <laughs> voilà. Ok, donc t'as les t'as les monstres, t'as encore des monstres, t'en en as encore des objets. beaucoup de monstres. Voilà, t'en as plein. T'as encore un plan, mais cette fois-ci imprimé. Bon. Ah oui, effectivement, avais ah d'accord, bah t'avais l'écran déjà dans la boîte. Ok, bah je l'ai pris en double. Bah écoute, c'est pas grave, hein, tant pis. Pour ceux qui voudraient un écran, je le vends pas cher. Euh... <laughs> bon, écoute, c'est pas grave, hein, tu sais. Des pions. Putain, il y a des pions partout, quoi. S'il te plaît. Ah ouais, non, mais t'as des planches de pions. Ouais, <laughs> ah, non, j'ai craqué le slip, hein. je, je vous l'avais dit. Hop. Voilà, t'as encore des planches de pions. Bah voilà. voilà, va, je redirais que c'est un jeu de société, pas un jeu de rôle. Mais grave. Hop là, restez ici, petit pion. Ne vous dépunchez pas tout de suite, ça va être le bordel sinon. Voilà. Tu as quatre planches de pions. nom de Zeus. nom de Zeus. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça c'est bah, un, un petit tir à part. Ok. Mm -hmm. Oh putain. Qu'est-ce que. Pardon. Vous m'excusez pour les... <laughs> les onomatopées, mais quand tu vois des trucs là-dedans, c'est mais c'est assez incroyable en fait. Alors je m'excuse parce que je mets tout derrière pour éviter que ça traîne sur le bureau. Tellement il y en a. Voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Ok, ça c'est la nouvelle mode aux etats unis Donc j'ai un pint. <laughs> Comme je suis contente. <laughs> euh, ça c'est les petits trucs pour mettre les, euh, les pions. Voilà. Mmh. Ça c'est du plastoc. Je m'en fous. J'ai encore euh, des cartes. Qu'est-ce que c'est comme carte les... Ah, les cartes à jouer. Ouais. Ah, c est, c est, voilà. Des petites cartes pour jouer et surtout le livre de la campagne en édition voilà. collector. L'illustration ouais. est magnifique. Ah, franchement, ouais, ouais, ouais. En fait, si tu veux, j'avais craqué pour l'édition, la boîte où il y avait tout, mais la seule boîte qu'il y avait, c'était pour l'édition collector. Donc, moi, personnellement, tu sais que l'édition collector, ça n'a jamais été mon trip. Mais j'avoue que c'est beau. <laughs> Pour le coup, celle-là, elle est vraiment belle. Et surtout, la, ca la campagne, j'ai déjà en PDF depuis euh, un an et demi, deux ans déjà le PDF. Un, un clair, an et hein. une production Waouh, c'est long. Ouais, ouais, ils ont merdé dans tous les sens. Ils, ils ont réussi à sortir du Humblewood, etc. avant euh, avant Mais ils ont complètement merdé sur Aknar. Donc euh... c'est Donc, les mêmes hein, qui font euh, Humblewood. Hein, ça, je ne sais pas si vous l'avez dit, Hit Pond Price. Voilà un petit peu ce que ça donne. C'est une très très chouette campagne. Hein. Oh, C'est de la cinquième édition, bien sûr, mais ça se veut horrifique dans un cirque. Il y des démons, des choses comme ça, etc. Alors, relief, non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste les, les dorures qui font que euh, ça te donne cette impression-là. Mais il n'y a, a pas du tout de, de relief. Non que je sache, mais euh, après, si tu veux, tu... on pourra trouver là, le, 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 le bouquin, sur normal. Hein. Tu vois un peu le genre d'illustration qui donne bien le ton, quoi. Enfin, euh, The Tunnel of Love, quoi. <laughs> on a vachement envie de le prendre en coup de là <laughs> Ouais, ouais, il est magnifique, et euh, surtout les scénars sont très, très, très cool. Tu, tu vois un petit peu euh, le genre d'objet, tu vois, des petits cœurs et tout, c'est mignon. Hein voilà, ça c'est Ekna. Je tenais à te vous partager parce que euh, ça faisait, bah, je vous dis. Euh, plus d'un an et demi de retard par rapport à ce qui était prévu. Bon, ben voilà. Faut, les Américains sont beaucoup, beaucoup plus. Euh, rentrent dedans que nous pour les, les boîtes qui ont des retards. Quand, quand on se plaint que nous, on est un peu trop piquants, etc., qu'on serait pas gentil avec des éditeurs, etc., ce, ce qui peut s'entendre, hein, moi, je pas, pas de soucis là-dessus. Euh, comparé aux Américains, on est, on est des enfants de cœur, hein, on est gentil. Hein. Tu vois, les commentaires de, du Kickstarter, c'était. Euh, vous êtes des escrocs, remboursés, vente de salauds, enfin ils insultent et tout, quoi. Mais Alors que les types, ils, ils informaient assez régulièrement en plus, tu vois. En expliquant les, les problèmes de prod et tout et tout. Voilà, hop. J'essaie de mettre tout ça de côté, il y en a partout, c'est incroyable. Donc voilà, pour ECNA, comme je vous disais, ça faisait très longtemps que j'attendais. ben franchement, le, le résultat, j'ai découvert ce qu'il y avait dans la boîte avec vous. Voilà. Donc comme un gosse, c'est ouais, trop bien. Oui, pas... pour nous en France, un an et demi, ça ne fait pas beaucoup. Aux États-Unis, euh, un, un an d'attente c'est un escroc. Oui. Clairement. <laughs> et a... euh... ouais, en France, on a des pays où on tolère le, le ah plus, oui. les, ah oui. les retards ah ouais. absurdes. Allez, il en... y a des pays comme euh, en Grande-Bretagne ou en Italie, si vous dites que vous avez six mois de retard, il oh. ça... y a de la demande de remboursement dans tous les sens. Hein. Ah oui, oui, non, mais on, on, est des... on est des enfants de cœur, quoi. Enfin, je trouve qu'on laisse passer des trucs qu'on qu ne devrait pas laisser passer parce que ça manque de professionnalisme. Mais euh, on n'est pas au niveau des Américains. Que, je veux dire, quand, quand on t'explique voilà, entre le moment où tu as commencé la prod, que tu as merdé dans tes drafts, etc., que tu réécris, qu'après la prod, elle prend du temps, qu'il y a des trucs qui n'allaient pas, qu'il faut recalibrer. Enfin, tout, ce qui peut arriver de, tout ce qui peut arriver de merdique dans un, dans un projet est arrivé sur Aetna, mais tu avais régulièrement des infos, etc. Les mecs, t'as pas l'impression que t'avais la, la justice divine qu'elle est savate eux, quoi. <laughs> ouais. assez, euh... Voilà. Donc, euh... Mais ouais, je suis content du résultat, c'est splendide. Je vous ferai bien évidemment une chronique complète, quoi. Euh, en, en filmant tout bien en avance, etc., comme ça, ça fera, un peu, ça fera moins fouiller que ce soir. Il va même reblister. vous allez voir, il va re le plastique autour. Non, je suis pas fétichiste à ce point-là. Ça va être une collector, je <laughs> suis pas non plus... Euh... Euh, le, le but, c'est que ça serve, hein. Les decks de cartes et tout sont, sont super utiles. Tu vois, autant les pins... Euh... Bon, c'était dans la, la, la box, quoi. Euh, oui, God <laughs> aux États-Unis, oui, ce serait la guerre civile, d'ailleurs. D'ailleurs, oh, oui. il y a un film sur la Civil War hein, qui va sortir. Ça me fait penser. On discutera avec Manu des films oh, qui arrivent. Oui. Tu as un film, justement, sur la guerre civile, nouvelle guerre de, de sécession américaine, qui s'appelle Civil War. Voilà. Ok, okay ça, ça, que ça me fait penser. Euh, bah écoute, voilà, voilà pour être le, le gros craquage. C'est une belle réception de pledge, je t'avoue. Je suis super heureux, quoi. Très beau. Très 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 beau. Ah bah ouais. c'est la saison des, des réceptions, là. Ouais, y a... ah, ouais. La prochaine semaine, il va y avoir tellement de trucs à montrer. Oh, on vous en parle mmh. juste après, mais ouais, y a des, des annonces comme quoi il y a des gros gros pledges qui vont arriver, là. Euh... Oui, oui, oui. Oui, c'est oh, euh... oui, bah, pareil, mais là, il y en a un que j'attends avec impatience. Hein. Ah bon <laughs> Peut-être, peut-être, peut-être peut Ouais bah, du coup, oui, voilà, je il t'a trouvé <laughs> voilà, à la lisière, voilà la lisière des douze singes. Ouais, ah, parce que là, euh, mmh, j'avais ra ra raté leur première campagne, donc je les avais achetés en, en kit au fur et à mesure. Pas participé ah oui. au pledge, et du coup, il me manque certains trucs. Là, j'ai vu passer, je suis allé au banco, on prend tout. Là, j'ai mmh. confiance. Alors, je regarde un petit Plus peu. Plus des films bientôt. Ah, ouais, oh là les là. Films aussi, ouais, ouais, ouais. Ah, on va se taper une boule Ah Nous, on va devoir faire un hebdo par jour pour pouvoir parler de tout. Alors, j'ai craqué sur des figurines pour ma campagne. C'est où, quoi Chroniques oubliées je... Oui, Chroniques oubliées chez Reapers Mini. Oui, ah oui, bah Reapers, euh, oui. Oh, Reapers, oh, là, ça fait des années que j'ai oh. pas commandé chez eux. Alors, Olive, ah, 25 ans, un livre d'univers du jeu de figurines Ragnarok. Ah, ouais. Non. Ah, tiens, tiens, oui, bah oui. C'est le même univers que le jeu de rôle Cat Valon, ouais bah oui, c'est une des villes de l'univers, effectivement. J'en ai entendu parler. Je, je connais de, de réputation, sans plus. Mmh. Moi je suis pas figurine, donc. Euh... Mais qui a acheté les soldes Midnight Tower sur Fidibert Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elles étaient dispo... Les bouquets étaient dispo, puis au bout de... Et d'un coup, ouais. plus rien, Quelqu'un a vidé les stocks. Euh, non, parce que j'allais pas racheter les deux campagnes que j'ai déjà, ni les one shot, faut pas décoder. Mais pour le coup, maintenant, j'ai tous les produits euh, de chez Midnight Tower, je les ai tous. Je crois qu'il y en a qu'un seul en fait que j'ai eu en service presse que j'avais demandé. Mmh. Les autres, euh, je t'avoue que j'avais, ouais, ouais, on, on, peut, on peut demander des services presse à Midnight il n'y a aucun souci. Mais c'est un tout petit éditeur indé, etc., qui commence enfin à faire son, son, son petit trou. Si tu veux, mais ils sont deux en fait, c'est un couple. Mmh. Et euh, autant sur un one shot, ça me dérangeait pas. Sur des mini campagnes, je t'avoue que j'avais, euh, ouais, j'avais pas envie de demander service presse. Tant pis, euh, j'achète. <laughs> voilà. C'est con, hein, parce qu'on pourrait, mmh. hein, mais, euh, mais non des trucs euh, je sais pas ça mérite l'investissement voilà une mmh. euh, couleur popcorn etc donc tu as reçu aussi le pack de Lucekna et toi aussi tu as reçu l'écran double moi en fait comme un con n'avais même pas capté que c'était dans la réveil à box et je l'ai acheté en plus en part bon, oh. bah ah, sur pas mal de financement aussi j'avais racheté l'écran en plus sans comprendre qu'en oh. fait il faisait partie des bah, oui. des paliers Oups. débloqués oui ouais. oh. beaucoup, bah, écoute, beaucoup si... de financement où j'ai des, des écrans en double bah écoute, si tu veux l'écran, je te le filerai. <laughs> voilà. il est On plutôt va pas faire bien. des échanges. C'est ça. <laughs> euh, Est-ce que, est que l'écran est grand bah, Écoute, ça va, il y a forme de est en format paysage. Un 4 panneaux paysage bah, Franchement, ouais, quand même. C'est grand, mais plus facile à transporter que... Euh, attends, DD5, c'est quoi C'est 4 pa... ou 5 panneaux 4. Quatre. Quatre. Donc c'est quoi ouais, format DD5. Ouais, c'est oh. DD. Ouais. Je l'ai quelque euh... part, mais je ne l'ai jamais mis sur une table, tellement il prend de place. Alors autant, ouais, nous en France on comprend pas. Euh, chez les Anglo-Saxons, enfin les Américains, les Anglais, oui, ça pour eux c'est essentiel. De ce ça que ça je comprends, ça fait partie du. Ça fait partie de l'identité. Oui. Après peut-être que chez nous on aime bien aussi avoir, hein, est -ce que on préférerait, on n'aimerait pas euh, avoir des écrans qu'on peut réutiliser pour d'autres jeux. Je crois aux États-Unis, je sais très bien qu'un écran égale un jeu. Voire même c'est un écran une campagne. On aime oui, oui, avoir oui. le goodies qui va avec. Alors je regarde euh, Mais le moi je écrans. déteste avoir le titre, le nom de l'écran, le nom du jeu sur l'écran, je trouve ça moi c'est rédhibitoire, je vois ça. Ah bah... je le prends oui. pas. Mmh. Bah, c... Je, je l'ai fait, puis je suis en mode non mais ça me sort moi du jeu quand je suis. Ah, peut-être mmh. une erreur sur l'écran. Bah écoute, je, je regarderai. Je regarderai sur les écrans, effectivement. Mais je pense que c'est moi qui les commande en plus, tout simplement. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'inutiles dans ces pledges Oui. <laughs> oui. Bah, 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 je je l'avais dit, dit en préambule, hein. c'était un craquage complet sur le truc euh, Full Goodies. Il n'y a rien qui m'y Oui, je vais plus largement prendre que le bouquin. Oui. Voilà. De toute façon, pour une... les, les, pour une... les gros pièges le le... en général, à partir du moment où tu as plus que le livre et l'écran, le luttes. reste en général C'est d'un autre <laughs> euh... relatif. Non, mais j'étais obligé de craquer. <rire> voilà. Pas <laughs> toi qui a fait un financement où il y avait un, un tablier qui était, qui était dans, les, dans les goodies là Ouais, voilà. Alors, je vous ferai en fait quand je recevrai Wilder Fist, un jeu de rôle sur les monstres et la cuisine. Il y avait un tablier, donc bon, ben voilà, craquage. Et euh, ben, comme ça, je pourrais faire la cuisine avec et tout est <laughs> trop bien. <laughs> bon voilà. Ça, ça te rappelle quand on jouait à Warhammer V3, oui. Ben, ben, voilà, ah bah les, hein. oui, bah, oui les, les, les plaques de des puncher, euh, ah, et ouais. les paquets de cartes. Ah oui. Oh. Ouais. Je sais plus ce que j'ai fait mais, mais, mais mon Warhammer V3, doit être à la cave. Oui, pas... bah écoute, ça, ça nous, on, on ne dira rien sur les 5 ans de retard. On... Voilà. Hein. <laughs> oui, mais on rappelle qu'il y a des gens encore plus anciens qui ne seront jamais livrés. Hein. Ah, bah, Broken World. Voilà, je vais dire, ça commence par Broken, ça finit par World, mais oui, bah, tu m'as devancé. Bah oui, quand même. Euh, les Français ne râlent jamais. Alors, on râle, mais pas sur le jeu de rôle. <laughs> mais je pense. Ouais, bizarrement, pourquoi. nous, on, on pardonne beaucoup trop, je trouve, dans le milieu du jeu de rôle. Oui. On laisse des escrocs tenter continuer à, à, à officier quest ce que je te dis. Ouais, ouais. Ah. Euh, la lisière donc qui arrive. Ah, 2024, oui, oui. ça va être une année de fou, on est d'accord. Alors euh, pas de figurine ici, mais le bagon est sympa. Ok. Alors reçu... oui, effectivement, euh, Manu nous en avait parlé. Oui. Donc le, le PDF du livre de base de Mutt, ça a été euh, livré effectivement à ceux qui ont souscrit à, à Errance, hein, la campagne qui le, et le scénar, pardon, qui va arriver. Mmh et sur lequel il est en train de finaliser la maquette, hein, il a il a fond dedans là en ce moment. Euh, tac tac tac. Oui, tu peux le prendre pour ton sujet sur les écrans. effectivement. Je pourrais te l'envoyer. Enfin euh, oui. euh... mmh. en parler. Alors, meuf, une V2 non, non non, pas non. du tout. Non, 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 non. il n'y en a pas besoin. Non non non. Voilà, c'est juste une réimpression. Non, on toute pas besoin, c'est Fred à Emmanuel, c'est lui le alors victime des goodies, ça ne m'arrive que. Ça, Antoine peut témoigner. Ça m'arrive très 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 oui, très non. rarement. C'est vraiment des cas très spécifiques. Celui-là en plus, c'était 2020. Je pense que on a tous un petit peu beaucoup craqué à cette époque-là parce que bah, tous à la maison, donc bah, du coup plus de fric pour les loisirs, clairement, hein, parce qu'il y, y a plus de sortie, on était cloîtrés, etc. Donc mmh. j'avoue qu'il y a des choses sur lesquelles j'aurais jamais craqué avant que j'ai craqué cette année-là, clairement, et que je ne refais plus depuis. À part, bah, comme j'ai dit, Wilder Fist parce que voilà, bah, c'est de la bouffe. Moi, j'adore cuisiner, donc oui. donc le sujet faisait que c'était rigolo. Mais sinon, non, j'essaie je, de me contenter de, de l'essentiel, quoi. Mais, mais voilà, après ça dépend du produit. On, on peut aussi de temps en temps se faire un petit plaisir rempli d'inutiles. Ça peut arriver. Il faut oui. pas que ce soit. Enfin, après, je parle pour moi, je parle pas pour vous. Chacun fait comme il entend. Il n'y a pas, il n'y a pas de jugement. Heureusement, d'ailleurs. Mais euh, moi personnellement, les collecteurs et tout ça, ça n'a jamais été ma came. Effectivement, sur celui-là, bon, c'était un petit plaisir. Quoi. Donc, euh... Oui, bah, du moment que le goodies n'est pas obligatoire. Non, 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 non. non. <laughs> Moi, c'est ça, le seul truc qui me dérange dans les pledges, c'est quand tu es obligé d'acheter les goodies. Ah, bah, ça, on ah, verra ouais. ça demain. Euh, c'est demain. Demain ou, demain. De jour, demain. demain ou mercredi ou jeudi C'est demain, je ne oh, sais plus. Biet... C'est pas grave. Bientôt, bientôt. De toute façon, on le verra. Euh, je ne sais plus, en VO, il n'y avait pas tant de goodies que ça. Mais bon, on verra. Hein. Ouais. Alors là, un manga français par Ankama, Kama Urbance, mais écoute, je ne connais pas, donc Je ne connais pas encore. demander à mon dealer. Parce que je t'avoue que moi, je lis beaucoup de BD. Et quand je dis BD, je mets les comics et les mangas dedans. Pas de discrimination, je lis de tout. C'est des dessins, il le lit. De la BD avec de l'écriture. J'ai acheté quelques BD, mais j'en parlerai quand on fera une spéciale BD. Parce qu'il y a quand même des trucs très chouettes. Alors, Ouais, avec un éditeur pour Mondial Relais. Ouais, quand ils choisissent pour toi le, le, le ah, relais. Ça, ça c'est insupportable. Ouais, J'ai ouais. eu ça une fois. Oh, pareil, c'était un truc à pétain au qui était ouvert que pendant les heures où je bossais. Ouais, là je vois, que tu parles de Tita. Moi je l'ai eu avec, bah, avec Guillaume, tu sais, de D Art, oui. Qui a envoyé euh, un pledge récemment, là, la journée ordinaire dans le donjon. Et euh, il a choisi en fait le relais directement. M'arrangeait pas du tout, mais il a pris ben, au plus ouais. près. Après, je comprends, hein. oh oui, pas, mais peu... euh... compliqué. Que... Ouh, voilà. oh, mon dieu, tu as joué, Étant mais ]inaire. à quoi? Mais tu as joué à quoi, du coup? Et oui, parce que moi j'ai une partie prévue samedi. Je suis trop content. Ça y est, ah, <laughs> okay. est pas... il, y a, il y a du jeu là. Ça, ça reprend à ah, moi. C'est avec les amis. C'est un petit peu bien voilà. Bien. On se dit, allez, c'est les trucs. On se dit, euh, nouvelle année, on relance le jeu à fond. Ok, on, on, joue, on joue, on joue, on joue. On verra combien de temps on va... ça va tenir. Ouais. moi c'est le, le la, la mini campagne de Walking Dead de la boîte de base. Tu vois, on, on a été très critique et tout et tout, mais euh, le, le scénario est vraiment cool. Donc moi euh, ouais, voilà. bah, ouais, ce sera la, la, la campagne du supplément dont je vais parler tout à l'heure. Bah, voilà. Donc Brigandine 2 et Sans Coeur, très très bien. Très bon. Attention, c'est sensible à la gravité. J'ai juste fait ouais. ça. Mais sinon c'est très bon. Et Sans Coeur on, on, on verra avec, euh, avec Julien Pirou, de toute façon. Ouais. Oui, oui. Euh, voilà, bah, Et écoute, puis à... Fabula ouais. Ultima Obsidian. Oh. Ah oui. Nice. Nice. Ouais, ça, dimanche, je, je, je veux coup... dire, voilà. Bizarrement, oui, après dimanche. C'est bizarre, Il hein. bah, faut dire que KFR, il en parle tellement bien. <laughs> ah toute que... façon, bah, bah, Vous avez aussi à me convaincre, il y a finir de la collègue, hein, comme j'ai dit, le jeu. <laughs> non, non, mais le, le... j'ai commencé un peu à le lire, vite fait, mais enfin, pas, pas trop dans le détail, parce qu'il y avait d'autres trucs. Mais euh, ouais, non, vraiment, 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 vraiment cool. Hein. C'est surprenant comme jeu. Hein. Je... Donc, je comprends les Zéniths, quoi. Vraiment. Oui. Alors, le Colin, samedi, c'est l 5 a mmh. et mmh. Alien en MJ. Mmh. Si c'est pas, le... pas mal, oh là là. Oh, c'est du bonheur. Mael, marre des goodies inutiles, mais il en faut pour tous les goûts. Bah, oui. Des... oui j'ai eu ma phase où les goodies, mmh. j'adorais, j'en achetais trop. Toulouse, je pense à toi, où j'ai acheté littéralement tout ce qui sortait du moment que ça avait un rapport avec Toulouse. <laughs> et j'en ai des cartons à la cave, je ne sais pas quoi en faire. Absolument pas. Et maintenant, je suis en mode. Oh. C'est que si j'ai pas le choix. sinon, je te dis, moi, c'est le bouquin, le PDF. Et des fois, quand tu as un deck de cartes qui peut, qui peut, effectivement, ça reste un goodies, mais qui a son utilité, qui est toujours pratique. Tu voir le bouquin sur la table, tu balances la carte du monstre au milieu, tout le monde est content. Ça, ça peut avoir son utilité. Même si ça reste quand même du goodies, dans l'absolu, c'est totalement inutile, on est d'accord. Ouais. Bon voilà, on pourrait faire des émissions comme ça d'ailleurs. sur euh, les goodies utiles, pas utiles, qu'est-ce qu'on considère Ouais, 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 ouais. On va, on peut faire ça. Ça peut être sympa, ça peut. On va avec bon. des exemples. De... Il y a quelques financements que j'ai en tête avec goodies inutiles et goodies euh, ah, voilà. utiles. Et ceux où on t'a forcé la main Le chariot des dieux, nouvelle table, nouvelle victime. C'est magnifique. Alors, ce sera pas une cartouche hein, sur les goodies. Hein. Ce serait plutôt une émission papotage comme. comme ah, on a mais il y en aurait deux. Hein, T'inquiète. Hein. Ouais ouais, il y a des aura qui sont totalement inutiles. Ah mais non, mais il euh, va... y a ce bien, puis à côté, vraiment. on sort la cartouchière et c'est fait à volonté. Hein. Ouais mais il y a des trucs, tu vois, dans la box que je viens d'ouvrir en même temps, que je découvre avec vous, il y a des trucs que je trouve totalement inutiles, d'autres qui sont plutôt cool. Avoir deux oui. fois la même carte en tissu en... et en papier, est-ce que c'est vraiment utile Non. <laughs> mais franchement, non. Bah après mais bon, voilà. Il y a des trucs comme dans Nephilim, le... comment ils appellent ça, ce magazine d'occulte qui est de... ah oui. dedans C'est ah, un... un goodies. Mais ça, c'est un goodies ah, oui. Utile, que je trouve utile parce qu'il colle une vraie ambiance, il apporte quelque chose à l'immersion. C'est marqué film donc c'est utile, de toute façon. Euh... Attention, hein. j'adore bon. films, mais euh, si on. Je voilà, faire du euh... film, je serais déjà en train de l'acheter. <laughs> ouais, voilà, on a l'exemple d'un fanboy. Mais bon, il y a d'autres jeux. Où... <rire> ça. <rire> euh... Sinon, Chamel, ouais. Skull Bones. Oh là, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de par Skull Bones. Comme tu dis, hein, c'est pas récent, mais ouais. Euh... Pas mal. Alors son, son quatre soirées judaires ah, oui, en trois jours, oui, quoi oui. oui. Wow, hein, ah. je vois, il wow, y a beaucoup de choses. Est-ce que je pense à son détour Non. Il y a pas que, il y en a plein, y en a plein, hein, de toute façon. Tu hein. je fais partie des zinzins qui ont acheté la collector de l'âme du cardinal avec la bague en la chevalière en argent. Hein. <laughs> pas une blague. Hein. Ouais. Bon. Et puis là, ouais, et puis des puis, puis, sacoches en cuir hors de prix. T'inquiète, hein. Et mmh. toi, la seule chose que j'ai pas, c'était la bo... la, 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 le, le coffret des, des montagnes hallucinées. Parce que, parce, que, parce que la connexion internet, ça n'a pas tenu, sinon j'aurais lâché 200 balles pour avoir une, une boîte en bois. Putain, ouais, la boîte en bois, bordel. Mais j'avais fait ça pour moi aussi. Oui, mais elle était mieux dans celle des crimes. Enfin, celle des crimes, c'est un vrai coffret et tout, gravé et tout. L'autre, ça faisait juste une boîte, comme une boîte d'expédition. Est-ce que ça valait 200 balles Non. Est-ce que <laughs> le drapeau et tout était utile ouais. Non, bon je les ai récupérés quand même à côté. Le drapeau, les aides de jeu. Je te faisais la même si tu veux, un petit peu de bricolage là. La sacoche <laughs> en cuir, pas en cuir. Ah, je peux vous en parler, elle est juste là. Elle hein. est à côté. Oui. Hein. La, la sacoche en faux cuir, et vous savez quoi, je l'en double. Oh peut-être que je acheté une... Quand il est sorti, j'ai acheté, puis après je... on m'en a offert une deuxième. Ouais, les bois en bois. Ouais, alors on vous parle, on vous reparlera, mais vraiment dans les goodies, on parlera de son détour, vous inquiétez pas, parce qu'eux, ils ont été les champions. Ils ont donné le ton, mais on, on pourrait Et parler... Et la flasque. Bien. La flasque, les boutons de manchette euh, du, au cœur des années 20. Boutons de manchette. Pour bon, ça, je veux dire, à quel, à quel niveau tu arrives quand tu proposes des boutons de manchette dans un financement de jeu de rôle euh, euh, ouh, 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 Je vois, parce que revenons un petit peu au jeu de rôle quand même. Alors, ouais, ouais, euh, bon, euh, ouais. Scénario tiré de JRPG, d'accord. Et euh, lundi, tu as les âmes perdues de, de Jalpe Vart. D'accord. Il, il est arrivé alors. Ça, c'est cool. Mm. Parce qu'il a, il a okay. eu aussi pas mal de retard hein, pour le coup. Oh, hein. Oui. Voilà. Là, sur le Majestic 12, bah, ah oui, bah oui. Ah oui, je vous connais pas. pas et... ouais. pertinente... Ah oui, oui, c'est en... en thème. Corporate, corporate, quoi, en fait. C corporate, c'est cor bien. C'est beau, ces gens qui se donnent corps et âme pour, pour l'éditeur qu'ils aiment. C'est ça. On, on te reconnaît bien là-dessous. Vraiment, le, le, le don de soi fait partie de toi. C'est magnifique. Ah. <laughs> Tiens, on pense à toi. Voilà. Bon, euh, je veux dire, c'est 20 h à 4 h du matin. Waouh, waouh, waouh. Je ne peux plus jamais, je fais ça, moi. Hein. C'est fini, ouais. hein, je suis vieux. Hein. Ah, ouais. Donner des bonnes choses que toi, des bons ouais. jeux, ben bah, oui. Voilà. Bon, euh, bon ça fait oui. 40 minutes quand même qu'on parle <laughs> des achats. Hein. Je pense qu'on vient de péter le record. bah oui, c'est la boîte et puis après c'est parti en discussion. Après, c'est toujours sympa aussi, quoi. Bah, moi, je pas je pas peux manquer je... toutes les toutes les figurines que j'ai achetées une par une. Hein. On en a encore pour une demi-heure. Mais bon, bref. Euh, non, on va, on va reprendre un petit peu, un petit oui. peu sur quelque chose de, plus, de plus, plus classique. On va parler de jeu. Est-ce que tu veux commencer Fred ou je commence Allez, On commence par jeu, quoi L'orifique ou le rigolo Je vais commencer sur le, sur le léger. On commence sur du léger Alors, du léger. léger. Euh, regarde, voilà. Donc je vais commencer avec euh, Aventure à plume signé comme Martin. Donc un jeu de rôle, tu vois, format A5, format couverture souple, qui fait à peu près 126 pages, enfin 130 pages, pardon. Voilà, 130 pages. Euh, le prix, euh, je ne l'ai plus, c'est un peu con, j'aurais peut-être dû le prévoir avant. <laughs> Dommage. C'est pas, pas excessif. Écoute, j'irai chercher après. Je vous, je vous le donnerai. C'est prévu pour 3 à 6 joueuses euh, pour des séances de 1 heure à 2 Donc C'est un petit peu ce qui m'avait plu déjà aussi dans la proposition, puisque c'est issu d'un financement participatif sur Game on Tabletop et ça fait partie des projets qui justement tiens, on va en parler un petit peu petit aparté qui s'est pris un an de retard dans la vue ouais, ouais, euh, j'en profite un petit aparté mais alors très rapide parce que je ne vais pas refaire un débat sur les financements mais c'est vrai que je, je me rends compte que des euh, financements qui ont du retard sur lesquels je râle quand même plus toi et d'autres qui ont du retard où je vous pardonne euh, mais sans aucun problème celui-ci en fait partie c'est un peu bizarre hein. pourtant tu vois, je suis client parce que ça c'est un pledge personnel Voilà, j'ai oublié de le signaler perso. Euh, donc, un an de retard, comme, comme tu en as expliqué, hein, il a carrément sous-estimé la, la masse de boulot à fournir, euh, le maquettage, les illustrations, etc. Donc, tout ça est arrivé ben, finalement cet été euh, au lieu de 2022. Hein, voilà. Mais du coup, on se retrouve avec un jeu, donc Aventure à Plume, qui va émuler. Les aventures que vous pouvez retrouver dans le journal de Mickey, euh, la bande à Picsou, euh, Picsou Magazine, etc. On va y retrouver beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, vous voyez l'iconographie, qu'on hein, euh, joue des, des, des oiseaux anthropomorphes, hein, principalement des, des chiens, bien sûr, qui a dit plus tôt, par exemple. Et euh, comment ça va fonctionner donc, voilà, Ça, je vous ai posé un petit peu le truc. Qu'est-ce qu'on va y jouer On va jouer des mises-aventures sur plusieurs thèmes assez spécifiques propres à ce genre de, de, de bande dessinée, de comic strip. Hein, plutôt. Et comment ça fonctionne Alors, déjà, vous n'êtes pas maître de jeu, vous êtes dessinateur ou dessinatrice. Et vous avez deux façons de jouer. Euh, premièrement, soit euh, vous faites sans MJ, c'est-à-dire que vous faites la narration à tour de rôle. Donc jusque-là, pas de souci. Soit vous décidez que quelqu'un est MJ à temps complet, donc dessinateur, dessinatrice. Donc ça, c'est déjà le premier... deux façons de jouer très différentes. Enfin, très différentes. En tout cas, dans, dans l'approche, euh, ça peut faire un peu moins peur. Si vous avez un MJ et que vous avez déjà fait du jeu de rôle, il vaut mieux commencer par un dessinateur, une dessinatrice. Si vous vous lancez et que vous avez l'habitude et peut-être un petit peu du théâtre d'impro, faites un tour de rôle. Ce sera beaucoup plus amusant. Système de jeu, il n'y a pas de dés. Éventuellement, vous pouvez prendre un paquet de cartes et vous prenez les cartes numérotées 1 à 10 pour tirer des petits événements, des choses comme ça. Et ça s'arrête là. Donc il n'y a pas de préparation, effectivement, il va y en avoir pour préparer les mini aventures, les mini scénarios, quand même, choisir son personnage. Donc voilà déjà un petit peu je vous montre vite fait, au fur et à mesure j'ai pas fait de feuilletage, hein, donc parce que c'est quand même un petit bouquin, donc je vous montre un petit peu la maquette parce qu'elle est très très belle. Dans le sablier, c'est tous les conseils. Tu vois, dans celui là, par exemple, le symbole de sablier que vous trouverez dans le chapitre 3 en particulier concerne des éléments intéressants seulement lorsqu'on joue plusieurs histoires à la suite si tu fais des, des mini-aventures, euh, mini mini-scénar, etc., qui se suivent, pas, pas un one-shot. Alors, être destinateur, voilà ce que ça donne, en plus, tu vois, as le petit schéma qui va bien pour t'expliquer comment tu, tu vas gérer tout ça. Euh, donc, tu as trois responsabilités. D'abord, tu cadres tes scènes, ensuite, tu vas trancher les questions, euh, et tu vas gérer le rythme de l'aventure. Voilà, donc, qui va gérer les personnages secondaires, etc., etc. Et là, ce que je t'ai montré avec le schéma, c'est un petit exemple en fait. Ensuite, les conseils aux joueuses, c'est pour t'expliquer qu'est-ce que tu vas jouer exactement. Déjà, tu vas, tu vas jouer des personnages archétypaux, voilà. Ensuite, ici, voilà, les personnages ne sont pas toujours obligés d'être ennemis. Ils ont tous des liens entre eux, que ce soit famille ou amis, etc. Comme dans ces comics strips. De toute façon. Ensuite, on te carrément si vous avez des doutes et tout, vous faites des bêtises, vous interrompez euh, l'action. C'est censé être humoristique comme, et très léger comme, euh, comme ton. Il a pas comme je disais, il y a pas de règle dans ce que tu vas raconter. C'est vraiment toi au fur et à mesure de l'intrigue, etc. Ensuite, les personnages, comment ça fonctionne Eh ben, on voit là. tout bête. Tu as quatre archétypes basiques. Tu as donc un personnage qui est. Alors, je m'excusais. Vieillesse ennemie, on enlève les lunettes. Tu peux jouer quelqu'un de pingre, mais qui a un bon fond. Des personnages trop jeunes, mais ingénieux. Quelqu'un de tête en l'air, mais génial. Quelqu'un de colérique, mais altruiste. Donc, pixou, euh, Riri, Fifi, Loulou, là, ouais, c'est ça. Euh, tête en l'air, mais génial, c'est euh, Je trouve tout, je crois, c'est ça Oui Ou Dingo, je ne sais plus. Et colérique, mais altruiste, c'est. C'est euh, euh, comment il s'appelle voilà. Daffy Duck, euh, pas Daffy Duck, euh... oui, c'est ben Donald. Hein. Donald, pardon. Là, colérique, Donald. Hein. C'est Donald, voilà. Et dedans, il t'explique, voilà, euh, parce que tu joues donc une nichée, hein, le groupe s'appelle La Nichée, je trouve ça très, très. Les termes sont très amusants, très jolis. Merci, euh, je vous trouvais même plus, moi. Daffy Duck, c'est carrément autre chose. Euh, et en fait, on t'explique comment tu vas faire pour euh, battre de l'adversité. Tu vas expliquer, tu, tu vas improviser ce que, bah, ce que ton personnage fait, etc. Et les seuls moments où tu vas avoir besoin d'avoir une espèce de mini action pour euh, avoir un succès qui, qui permet de dépasser une vraie adversité, ce sera euh, une notion de, de sacrifice. Typiquement, pour le pingre, mais qui a un bon fond, tu vas réussir complètement ton action si tu sacrifies quelque chose qui t'est coûteux pour toi. Ça peut être euh, abandonner un objet, révéler un secret, faire une promesse qui ne l'arrange pas, etc. C'est quelque chose qui t'arrache. Pour le, celui qui est colérique mais altruiste, il va réussir complètement son action s'il se met en colère. Genre on va jouer sur cette, sur cette dichotomie entre le fond du personnage et ce qu'il montre. Et c'est ça qui permettra de, de, bah, de gérer les succès dans, dans tes actions. Et c'est tout en impro. Hein. Et ensuite, alors après, tu as quelqu'un de peu assuré mais généreuse quelqu'un d'un peu bêta mais qui n'a peur de rien. Et ensuite, après, tu as des personnages un petit peu plus complexes, un peu plus de, de, de corps. Quelqu'un d'empoté qui est une super-héroïne, je vous montre un petit peu. Hein. Voilà, un petit peu. La voilà maquette, moi, j'adore. Hein. Personnellement, mmh. je comprends que c'est pris du temps parce que c'est euh, très inventif et c'est super facile à lire. Oh, ah, je l'ai lu euh, en bon, l'espace d'une heure, hein, 130 pages, ça a hein. C'était vraiment vraiment top. Ensuite, après, vous avez les fiches de niché et voilà comment ça se présente. Trop dur, hein, les fiches hein, de, de perso. Oui, oh bon. Oh c'est chargé. Oh là là oh. C'est très très chargé. Donc si je prends par exemple euh, la colérique mais altruiste, tu auras d'abord, vas mettre d'abord ton nom et tes détails utiles. Tu vas mettre ensuite les quêtes, la couverture de l'épisode, et tu as le rappel que tu réussis complètement ton action si tu te mets en colère. Voilà. Voilà la fiche de perso. Et c'est comme ça pour euh, tous tes persos. Ça fait comme le journal de Picsou, tout à fait. Ouais. Ensuite, on a la trousse de la dessinatrice, donc la trousse du MJ. Regardez-moi ah, toutes ces petites flèches. Rien qu'avec ça, vous avez de quoi construire vos aventures. Ça, je trouve ça génial ici. C'est vraiment top. Donc, premièrement, pour débuter ta scène, tu vas d'abord la cadrer, c'est-à-dire où et quand elle se déroule. Voilà. Tu vas ensuite présenter ce qui va poser problème et qui va devoir être résolu dans la scène, sachant que chaque scène, un dessinateur, je te dis, hein, ça peut être chaque joueur au fur et à mesure. Donc, les conseils qui sont là peuvent être valables pour tous les joueurs. Le je crois que Mémoire, c'est 30 euros. Voilà, il faudra que je revienne. Ensuite, pendant la scène, tu vas laisser ton propre personnage à l'arrière-plan ou tu lui fais quitter la scène et tu mets en scène un obstacle pour les autres. Tu vas laisser d'autres joueurs incarner les personnages secondaires et qui se mettent, etc. Tu décris des séquences rapides pour changer de scène. Soit c'est une ellipse, soit tu passes à un autre personnage non présent pendant ce temps-là, Vera Cruz, etc. En cas de retombée des rythmes, tu as plein de conseils pour gérer tout ça. Tu as les façons d'explorer les relations entre les persos, etc et des conseils pour allonger la partie. Tac. Voilà, avec ça, as le boulot du MJ. Fabuleux. C'est un modèle, enfin moi je trouve que c'est un modèle vraiment euh, qui devrait être dans quasiment tous les bouquins de jeu de rôle, parce que ça reprend plus ou moins la trame de ce que tu peux faire quand, quand es MJ pour improviser. Ensuite, t'as les fiches de personnages secondaires, voilà, t'en as plein, dans tous les styles, très très amusant. Parce que là, par exemple, tu as le personnage secondaire qui est actif et malchanceux, joué par, ils vont agacer les feignants, mais Alors, tu vois, tu as les oppositions aussi entre différents personnages. Alors, on, on est sur un présupposé où il n'y a pas de violence, pas d'impérialisme dans le sens où tu vas coloniser quelque chose, etc. C'est vraiment des histoires très légères. Ensuite, tu as la mise en place, voilà, la mise en place du jeu, tu vois un petit peu, tu as ce système-là, ici, c'est une jauge, en fait. Pour les parties courtes ou pour les parties moyennes. Partie courte de, inférieure à une heure jusqu'à une heure, c'est 4 carrés. Jusqu'à la partie longue, c'est 8. Et chaque fois que tu vas progresser dans ton aventure, tu vas cocher une case. Que dès que tu as une adversité qui est, euh, qui est passée, as, tu coches une case. Voilà le système de jeu. Tu as vu, c'est trop dur. Donc, je t'ai fait le résumé du système avec ce, ce petit truc. Et ensuite, tu as des exemples de nichés prédéterminés. Voilà. Et ça, tu en, en as plusieurs. Euh, là, tu la nichée junior, la nichée drama, la nichée standard, la nichée imprévue, la nichée en costume sombre, la nichée pas comme les autres. Je te la montre, c'est celle qui est en bas, c'est celle qui est écrite. Voilà, il faut le lire à l'envers. <laughs> c'est les gens qui, sont, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et à chaque fois, on te donne les relations, on te dit qui tu es, les relations entre les différents membres de la nichée et ce pourquoi tu vas partir à l'aventure. C'est ça qui est important dans la conception de la nichée. Donc, ça, là elles sont déjà prédéfinies. Ensuite, tu as les personnages prêts à jouer à chaque fois par archétype. Et avec, je ne sais pas si ça se voit ici, voilà, là, c'est quand tu joues quelqu'un de pingre, voilà ce, qui, voilà ce que tu es. Tu peux te montrer plus vif que ton âge devrait te le permettre, tu n'acceptes jamais qu'on remette en question tes principes, etc. Tu as donc ton nom, ton accessoire qui qu fait qu'on te reconnaît, euh, que tu es confronté à une embouche ou un indésirable. Voilà. Donc, tu as des ennemis jurés. Tac. Tu repars à l'aventure parce que tu as en ta possession un puissant artefact. Travail. Et tu as comme ça, avec à chaque fois des supers illustrations, je trouve. Parce que bah, forcément, tu ne peux pas refaire le journal de Picsou, le journal de Mickey, Mais ça, ça y ressemble beaucoup. Donc ça, tu l'as sur tout. Euh, voilà, je passe assez rapidement là-dessus. Tu en as vraiment pour tout. Et ensuite, tu as les aventures. Quel type d'aventure Tu as les aventures de chasse au trésor D'exploration, de défis, d'attaques ennemies, d'enquêtes ou de fêtes. De fêtes chic. Voilà. Et à chaque fois, tu vas avoir des exemples. Euh, par exemple, pour les chasses au trésor, tu as le temple du lagon Rouge, la soucoupe de Brrrrrdé, la dernière licorne et le, sou... le souvenir perdu. Et voilà les règles spéciales ici pour les chasses au trésor. Tu vois, il y a carrément les schémas que tu trouves dans, dans le journal de Mickey et Pixou Magazine. C'est pareil. Donc, tu as les différentes cases. Tu, tu les vois ici, les différentes cases à, à cocher au fur et à mesure que tu avances. Avec la petite clé et tout, enfin c'est super, euh, vraiment super top. Et un scénario, c'est la fiche que tu vois ici. Ça, c'est un scénario complet. Voilà. Dans celui-là, c'est le but de l'aventure. Bon, Celle-là, Tant pis pour le spoiler. Hein. Trouver l'œil de rubis au sein du temple du lagon rouge avant que les spires de William le Corsaire ne mettent la main dessus. OK. Ça commence quand On récupère un fragment de carte qui indique l'emplacement du temple. C'est William qui a l'autre moitié. Ça finit peut-être quand William fait une erreur qui s'avère fatidique. Potentiels obstacles, donc j'en ai huit. Ça va dépendre en fait. Ben, les différents obstacles, c'est ce qui fait que tu arrives au bout de l'aventure. Hein. Mm -hmm. Par exemple, des archéologues qui cherchent autre chose au même endroit que vous, un dieu oublié qui se réveille, une végétation dense qui barre le passage, etc. etc. Pour son d'aventure, note potentiel lien avec une autre aventure. Mm -hmm. Pourquoi Parce que là, maintenant, je passe toutes les autres et tu peux voir qu'il y en a un gros paquet. Hop voilà, les fêtes chic. Ça permet d'avoir des thèmes très différents qui ressemblent effectivement à ces petites aventures qu'on qu retrouve. Et ensuite, aventure au long cours, ben ça te permet, sur une espèce de mini campagne, ben de mêler plusieurs types d'aventures. Tu peux mêler une fête chic, qui est l'interlude, qui va ensuite embrayer sur la chasse au trésor, puis sur une enquête, etc., etc. Donc, plusieurs types de mini aventures peuvent se suivre les unes les autres, les, les, les unes avec les autres, pour faire une, une plus grande aventure. Voilà. Ensuite, après, on arrive sur des nichés à personnaliser. C'est les personnages à personnaliser. Là, tu en as plein, ça avait été débloqué dans, dans le financement. Hein. Donc, tu as par exemple le pingre, mais tu as bon fond. Et là, tu as toutes les recettes. Alors, justement, tu peux tirer avec les cartes de 1 à 10. Tu as toutes les recettes pour fabriquer toi-même ton personnage si tu n'as pas trop d'imagination. Par exemple, tu as des ennemis jurés, tu fais deux choix, bah, tu as plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Euh, le symbole du sablier, c'est si tu joues en, en format mini-campagne. Mmh. Voilà. Et tu as ça sur tous les archétypes. Ils ont tous été écrits par des, perso des, des personnalités différentes. Tu vois, tu y as, par exemple, euh, tu es fainéante, mais Vénarde, c'est signé Vivien Féasson, par exemple. Mmh. Voilà, il y, y a plusieurs personnalités qui sont venus signer dans le, dans le bouquin. Donc, il y a pas mal de choses. Ensuite, c'est les aventures à personnaliser cette fois-ci, pas les les prêts générés que je t'ai montré au, au tout début. Et là, pareil, tu as toutes les recettes pour fabriquer ta chasse au trésor. Et tu vois, c'est sur deux pages, pas plus. C'est assez incroyable la, la simplicité du, du truc. Pour le scénario exploration, euh, etc., etc. Donc tu en as, en as vraiment, vraiment plein. Et après, tu as des exemples. Donc là, par exemple, j'ai Origine Secrète écrit par Melville. Et voilà. tu as une aventure, ben voilà, c'est deux pages. Simplicité, créativité, c'est incroyable. Et puis tu lis ça et tu te dis, mais oui, mais oui, mais, mais oui, c'est évident. Euh, donc, ensuite après, j'ai la gestion des interludes, le dernier chapitre, écrit par euh, Julien Pouvoir, Donc c'est tous les à côté de l'histoire. Ce que tu trouves effectivement, ces fameux comic strip, quoi. Donc, qu'est-ce qui va rendre la journée mémorable Qu'est-ce que Par quoi ça commence, etc. Donc, là, tu as quand même un petit peu plus de, de pages. Tu vois, par exemple, tu as une table des journées. Tu as une dizaine de pages pour gérer ce, ce genre d'événement, ce qui est même une, une douzaine de pages. Et ensuite, après, si vraiment tu manques d'inspiration, tu as, as deux pages de liste d'optac. Voilà. Et tu vois la maquette, hein, elle est super inventive, quoi. Un remerciement typographique. Voilà pour Aventure à Plume. Je pense que j'étais assez rapide dans la présentation de l'ouvrage. Qu'est-ce que j'en ai pensé et pourquoi vous devez le prendre en fait ça, ça va être sur tout ça euh, ouais c'est un petit coup de cœur très très inventif euh, la maquette est à la, à la hauteur de, de ce que je viens de vous raconter et de, et de ce que vous allez trouver dedans c'est à dire des recettes euh, pour vous pour vous aider à construire vos, vos scénarios vos petites aventures rapides guirettes qui vont mettre un petit peu de fraîcheur autour de la table euh, justement quand, quand on a l'habitude de faire des scénarios assez sombres, bon, où se passe pas mal de choses, etc. Ben là, vous restez sur du, du frais, du léger, etc. Et il et y a tout ce qu'il faut, tu vois, sur deux pages à chaque fois. <coughs> t'as les recettes pour construire tes archétypes, t'as les recettes pour construire tes mini scénarios, t'as les recettes pour faire tes. Il inter... y a tout, incroyable. Euh, je vais juste contrebalancer avec à qui c'est destiné. Euh, J'y mettrai. Alors ça, c'est personnel, hein, mon cette appréciation là. J'y mettrai deux publics. Mais vraiment des gens qui ont l'habitude du jeu de rôle, déjà, quand même. Parce que improviser euh, régulièrement, c'est n'est ouais, pas donné à tout le monde, hein, mine de rien. Même si tu vois, t as, t as quand même beaucoup de trucs euh, assez faciles. Mais c'est sûr que si tu n'as pas les références du journal de Mickey, de Picsou Magazine et tout, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc tu as déjà ces deux choses à avoir en, en tête. Pour des débutants, si vous n'avez jamais fait de théâtre d'impro ou des choses comme ça, ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant parce que bah, tu n'as pas, pas, pas de règles de jeu de société, tu n'as pas de règles de jeu de rôle, etc. C'est juste, euh, voilà, juste du blabla régulièrement. Juste à penser à, quand tu fais une action, à mettre en jeu ton, ton petit ressort dramatique. Et c'est vraiment que du, que de la parole. Donc, ça peut être déstabilisant si t'as d'autres habitudes auparavant. Donc, je, je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Faut pas, faut pas se tromper quand on achète aventure à plume, quoi. Voilà. Je pense que c'est le seul bémol que j'y mettrai. Mais alors, mais c'est une merveille de créativité, quoi. Vraiment. Donc, enfin, moi, je le conseille, euh, si vous voulez changer, euh, passer à autre chose, ou faire des one-shots d'enfer où vous allez vous éclater de rire avec, avec vos potes ou même avec des inconnus en club, etc. Franchement, euh, enfin, j'adore. J'adore. Je regrette pas du tout, du tout d'avoir pledgé ça. ça. Ça confirme tout bien qu'on pense du, du travail de con. Et puis ben, tous les tous les auteurs qui gravitent euh, dans, dans la sphère AND. Hein, je mets toujours, toujours plein de guillemets. Mm. Melville, KF, Génie, gulix Kelleren, etc. Bref, bref, je n'ai pas tous les cités, ils sont très nombreux. Euh, donc, juste petit aparté, tout à fait personnel, comme, si tu regardes l'émission, bah, euh, je t'oublie pas, on a bien eu ton mail, et on va revenir vers toi très rapidement. Voilà, ne t'inquiète pas. Donc, euh, moi, je vous conseille très fortement, très très fortement, très bon petit jeu. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà pour Aventure à Plume. bien, merci beaucoup Petit jeu qui va bientôt finir dans la collecte, hein, ça va essayer. J'étais très intéressé, je suis convaincu. Ok, donc je regarde Obsidian qui nous dit... C'est 15 euros pour un financement et 20 euros, effectivement. Ok, bah écoute, tu vois, hein. que 20 euros soit franchement rien. Hein. 530 ouais, pages en plus, ça va, quoi. Même pas un tiers de livre de base de Shadowrun, c'est vous dire. <laughs> c'est ça. <laughs> c'est des propositions tout à fait différentes. C'est marqué, présupposé, c'est vrai que j'ai pas mis, un jeu de rôle, d'aventure et de bonne humeur. C'est bien ça. Bah voilà, ça permet de changer, d'avoir de, une belle respiration en termes de jeu, quoi, je trouve. Tout à fait, parce que moi je vais vous parler d'un jeu où justement ben, il n'y aura pas forcément la bonne humeur avec. Voilà. voilà. Une bonne humeur pour le MJ. Ah, le MJ, ah oui, ils vont être de bonne humeur. Les joueurs, je ne sais pas. Parce que moi, eh ben voilà, moi je change, on change d'ambiance. Moi, je vais vous parler d'Alien Breathing Better Worlds. Voilà le dernier supplément d'Alien, voilà. Mais qu'on attend d'aujourd'hui, hein, parce que l'éditeur avait dit eh, on n'en parle pas avant la sortie officielle qui est aujourd'hui. Du coup, maintenant j'ai le droit. Voilà. Donc, licence très connue, on est d'accord. Hein, de toute façon, on a vu, c'était un petit peu l'énorme blockbuster des dernières années, euh, même s'il a été détrôné maintenant par Avatar. Donc, on, a vu, on avait eu quand même une gamme assez sympa hein, pour un jeu où, euh, franchement, encore une fois, on n'y croyait pas beaucoup. On se disait à ah, un livre de base et on sera content. Le livre de base, une boîte qui était plutôt sympa. Euh, le tri voilà, qui for le triptyque, justement, destiné au cinématique. Ok, un euh, supplément sur les Colonial Marines. Ça, c'était plutôt sympa, vu le temps qu'il était vachement bien. Et voilà, on a celui-là sur. Eh bien. Alors, le titre, si vous êtes un petit peu fan de l'univers, Breathing Better World, c'est la. Comment dire C'est la catchphrase de la, la Wayland yutani Voilà. C'est le slogan. Mais on ne va pas parler vraiment de la Wayland yutani on va parler des colons, de la colonisation, des civils, hein, qu'on envoie un peu partout. On avait parlé des militaires on va parler maintenant des civils. Donc. Nouveau supplément qui est arrivé, alors si vous cherchez, euh, il est à je n'ai pas le prix là, mais il doit être à 45 euros à peu près, hein, c'est à peu près le même prix euh, trouvable chez sur le site de Free League, trouvable très prochainement en import sur beaucoup de boutiques, vous inquiétez pas, si votre boutique fait de l'import, vous inquiétez pas, elle mettra la main dessus. Voilà. Donc, ça vient d'arriver, il euh, n'est toujours pas vu dans le en même temps, la sortie officielle, c'est aujourd'hui, littéralement, aujourd'hui. Donc, euh, dans les prochains, prochains jours-semaines, tu en entendras beaucoup plus parler. Ne t'inquiète pas, Sloopy. Voilà. Alors, nouveau groupe AV, on est encore une fois sur un euh, bah voilà, couverture rigide, couleur. On est sur la même formule que les autres. Voilà. Pour un euh, 293 pages. Voilà. Rien que le, le supplément est quand même plus gros que la plupart des livres de base que je vois passer dans le commerce, encore une fois. Et on est 42 euros, voilà, on va dire pour 45 euros quand il arrivera dans nos vertes contrées en import. Euh, toujours écrit par Andrew Gasca et euh, Dave Semark. donc en fait euh, les, les responsables de la gamme, hein, qui montrent que euh, ben, si on vous donne un petit peu de liberté, on est capable de développer un univers qui est pourtant figé et d'en faire un truc de fou. Hein Je pense à Walking Dead. <laughs> Super univers et, et rien. Là, c'est l'inverse. Voilà. On verra, on verra que... ce qui est développé plus tard. C'est 42 euros sur le site de l'éditeur. Tout à en fait. En euh, voilà. Non, mais tu, tu, tu fais bien. Donc, euh, de quoi va parler ce supplément Donc, je vous ai dit, ça va parler des colons. Donc, on va parler un petit peu ben, euh, pourquoi on va ailleurs, hein, pourquoi on ne reste pas sur Terre dans cet univers, c'est tout bête. Mais la plupart des jeux de SF oublient de parler d'un truc. Tout bête. Pourquoi on va dans l'espace Il y a des colonies spatiales, et vous avez vu les films aliens, et on se dit. Qui a envie de vivre sur lv 224, sans déconner, ou 426 C'est des planètes insupportables. Pourquoi quelqu'un a envie d'aller là-bas Pourquoi Là, le bouquin va quand même un petit peu répondre. Bon, déjà, on part d'un principe très simple la Terre, c'est pire. Voilà. <laughs> sur Terre, dans cet univers, c'est la mouise. Voilà. Euh, le taux de chômage, il est astronomique. Non, mais vraiment astronomique. Hein, on vous dit qu'il y a un moment dans l'histoire, le taux de chômage, il a atteint les 80%. Donc euh, guerre civile, euh, guerre nucléaire, bactériologique, euh, euh, dérèglement climatique, euh, on, on a fait ça bien. Vraiment, quand qu il s'agit de bouger une planète, on est les meilleurs. Il n'y a aucune espèce dans la galaxie qui nous arrive à la cheville. Donc on a fait ça chez nous, on a fait ça propre, et après on se dit bah tiens, on, on va développer le moyen d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, bah voilà. Euh, et puis bon, il bah, y a des planètes qui ont l'air quand même un peu plus sympas que la Terre, et que là, il y a une petite société qui s'appelle la wayland hein, qui a inventé le principe de la terre à formation avec ses fameux réacteurs, vous savez, les trucs en hein, le cône pyramidal un peu bizarre qu'on voit dans Aliens, euh, dans le 2 bah du coup, ça permet d'aller un peu partout et puis on se rend compte en fait que dans cet univers, le nombre de colonies eh c'est assez important en fait le, le livre de base et le, le, le supplément euh, sur les colonial marines nous laissait comprendre que il y avait quelques dizaines de colonies. C'est déjà pas mal, on peut imaginer ça. Hein. On est quand même en 2100. Hein? C'est quand même assez proche. Mais en fait, non, <laughs> on va parler de centaines de colonies. C'est qu'il y a du monde là-haut qui est parti. Donc, on va vous parler un petit peu de, des critères. Ça, j'aime bien. Les différents critères. Pourquoi on sélectionne ces gens-là Tout le monde ne peut pas aller dans l'espace. Il y a des critères à passer. Et ça permet de justifier le, fait, le principe que, eh bien, comment dire euh, les personnages, c des, voilà, ils, ont, ils ont une attitude, ils sont carrés, c'est-à-dire quand, quand c'est dans la, la panique, on a la tête froide et ce genre de choses. Bah ça retranscrit en vous expliquant que on ne sélectionne que des gens qui sont capables de tenir la pression en fait, dans l'espace. Basiquement, euh, on vous envoie à vivre toute votre vie dans une boîte de métal pressurisée où euh, tout veut votre peau. Voilà. Mais cette fois, on va vous faire partir avec votre famille. Donc on va changer votre façon, la façon de jouer, on va dans l'espace, mais on n'est pas seul. Vous cette fois, tout ce que si vous jouez un colon et on va avoir les règles pour jouer les colons, et bien cette fois vous allez avoir des proches, des amis parce que rien que par exemple si vous avez fait le voyage, le voyage il est long, même si on était en hyper sommeil, c'est long. Donc il y a eu la préparation avant, après donc on s'est fait des amis, parfois, ou peut-être pas. Hein et là c'est compliqué si vous commencez à vous disputer avec une autre famille avec laquelle vous avez passé le restant de votre vie sur un caillou perdu près d'Alpha du Centaure. Voilà. Je vous en parle parce que c'est peut-être le thème d'un des scénarios. <laughs> J'y viendrai juste après. Bref, on va aller un peu partout, donc on vous explique un peu comment ça fonctionne. C'est pas trop mal. On vous présente également, et eh bien, euh, deux nouveaux archétypes. Et pour l'occasion, et si on les regardait Hop hop hein, Voilà. Hop, c'est mieux quand c'est droit. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, euh, bon. Euh, la carte, c'est pas la carte de la galaxie, était déjà dans le livre de base. C'est plutôt là où va tout va se, va se passer la campagne. Donc euh, c'est beaucoup de trucs. Vous inquiétez pas. C'est très bien comme coin. Allez-y, c'est pas dangereux, promis. Donc encore une fois, et des illustrations toujours aussi splendides. Franchement, j'adorais qu'ils les mettent en, en poster ou au moins en wallpaper. Ce serait trop bien. Bon, bref, voilà. Mais carrément, il est parti. <laughs> voilà. Donc euh, les rumeurs, voilà, on va expliquer l'histoire de la colonisation. Et alors là, attention, vous avez tout une partie, comment dire, de l'histoire. Oh, C'est est, est, est impressionnant. La chrono, elle est, elle est blindée. On va vous expliquer l'histoire d'Hyperdine, l'histoire de la Welland, l'histoire, en fait, de tous ces corpaux qui ont mené à la colonisation spatiale. Oh, il y a beaucoup de choses. En fait, là, j'ai j'étais surpris déjà dans le livre Colonial Marines de la quantité d'informations qui avait été rajoutées le background, ce genre de choses. Mais celui-là, c'est encore au-dessus, hein. on est à un cran haut. C'est incroyable. Euh, les Arcturianes, hein, voilà la... ce genre de choses. C'est une petite référence à une scène qu'on voyait dans une vidéo promotionnelle de, du film euh, Prometheus. C'est M. Wayland. Le premier film, M. Wayland, qui faisait son TED Talk. qui expliquait eh, on va aller dans l'espace, vous allez voir, ça va être trop bien. Ça va pas bien passer pour lui, tant pis. Voilà, vous spoiliez le film. Ça se passe mal pour tout le monde. De toute façon, s'il était dans le film, c'est que ça s'est mal passé. <laughs> bon, bah voilà, les explications... Et puis, regardez-moi cette chronologie de fou. <laughs> les organisations. Et alors là, par contre, euh, oula, des organisations, il y en a beaucoup. Alors, on pourrait dire un peu trop, mais en fait, c'est plus vous expliquer. Pour se rendre compte que on a aboie dans l'espace, il peut y avoir des micmacs administratifs de folie et ça va foutre le bordel dans votre campagne. Vraiment. Parce qu'entre les scientifiques... Enfin, les, les organisations scientifiques, les organisations euh, non-gouvernementales, les organisations gouvernementales, les corpos, tout le monde essaie de contrôler un peu ce micmac et vous, vous essayez de vivre votre vie au mieux de tout ça. C'est le bazar. Et chaque nation a en plus plusieurs organisations. On a refait un petit peu le topo, on en présente des nouvelles. Il y en a beaucoup, hein Il y en a beaucoup. Vous avez vu Il y en a beaucoup. Les corpos, un peu plus. Encore un peu plus d'infos sur les corpos. C'est sympa. Bon, surtout, voilà, comment faire des colons. En plus, maintenant des animaux, on peut avoir un petit chien, c'est utile les chiens. Un chien qui est un, xénoma, un chien euh, c'est pire. Bon bref, on vous explique comment euh, recréer votre perso et tout, nouveaux talents. Donc en fait là, euh, rapidement c'est euh, recréer un nouveau perso, mais cette fois en mettant plus l'accent sur son passé et ses, euh, ses, ses, ses proches. Avant on avait des liens, on avait peut-être euh, j'ai un ami ou j'ai un objet. Maintenant c'est j'ai une famille, il faut entretenir cette famille. Voilà. Encore une fois des munitions pour le MJ. Voilà, <laughs> nouveau talent. Ah, voilà. Et les nouveaux archétypes. Donc le wildcatter. Alors j'arrive pas à traduire ça, mais basiquement euh, bah, un petit peu le colon quoi. Le, le, le type, il a sa petite propriété, son petit lopin de terre. Euh, il va essayer d'en vivre tranquillement dans son coin. Voilà. C'est un peu le red ouais, Ça va être un peu le futur redneck de l'espace. Donc euh, si vous aimez survivre dans toutes les, dans toutes les situations improbables, bah, c'est lui qu'il vous faut. L'entertainer. Ent voilà. Donc, okay, maintenant, euh, bah, euh, la vie est merdique. Du coup, il va falloir un petit peu égayer ça hein, dans, dans l'espace. Ben, du coup, voilà. Ça va être sympa. Donc, hein, il, faut, il faut un petit peu des, des célébrités, euh, des, des, des youtubeurs, ce genre de choses, des, des streamers à tout hasard, des, des, ce genre d'idées. C'est lancé. C'est assez rigolo. Et c'est plus le personnage support, si on veut jouer en termes de règles et tout. Voilà. Bon, après, on va recréer un petit peu plus de liens et tout. Euh, tu disais William Fubble, il y avait déjà des charrous et même un Rottweiler. Ouais, 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 dans le 3, tout à fait. Des animaux existent. Hein, on va les retrouver. On retrouve un peu après le matos. On aime bien le matos. Euh, pas beaucoup de nouveautés. Hein, on retrouve un petit peu des objets, des armes qu'on a vues dans les, euh, dans les scénarios cinématiques. Mais là, ils sont remis dans le bouquin parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les scénarios cinématiques pour jouer à ça. Ça, c'est bien. C'est bien de le rappeler. Des véhicules. Beaucoup de véhicules. Alors là, on est sur du, de l'utilitaire. Hein. Euh. C'est c'est conçu pour euh, pour survivre. Alors, tu donnes un coup de masse devant, ça redémarre. Hein, attention. Hein. Et, et même des trucs qui permettent, qui, qui nous donnent des idées de scénar un petit peu un petit peu plus un petit peu différent, un petit peu rigolo. J'aime beaucoup ce véhicule là, qui est une sorte de, de, de module euh, pour aller dans l'espace, pour réparer une station quoi que ce soit, mais également d'aller sous l'eau. De là, à faire un petit scénario sous marin dans une colonie sous-marine, façon euh, le film The Abyss. Il y a qu'un pas. Hein. Moi, je dis ça, euh, je dis rien. Les nouveaux véhicules qu'on avait un peu partout, on retrouve des véhicules qu'on a déjà vus, hein, voilà. Avec ce truc-là, comme le, le Prometheus ou ce genre de choses, hein, c'est même de la Weyland. Attention, hein, la Weyland, elle a fourni les meilleurs vaisseaux, elle a fourni beaucoup, c'est pour ça qu'on les retrouve beaucoup. Recréer une campagne, donc après, ça, c'est un point hyper intéressant, c'est euh, les campagnes sur la frontière, donc pour les colons, et qu'est-ce qu'on peut faire, vraiment. Le film Léviathan, tu dis, Yevendil, oui Oh, c'est pas récent, mais super idée, hein. Ah, euh, tu remplaces. Euh, C'était quoi C'était une bouteille de vodka un peu, un peu Dobé, par un poil de, de black goon dedans et c'est parti. Bon, bref, on revient à voilà, les, les idées de campagne. Donc, en fait, euh, poser différents types de campagne euh, de colons avec des colons. Et là, on peut s'amuser parce qu'il y a vraiment de tout. Donc, euh, des styles, par exemple, avec des explorateurs et on va vous donner à chaque fois plein d'idées différentes et même des idées d'archétypes de, à mettre dans, la campagne, dans, dans cette équipe. Si vous partez pour euh, des explorateurs, il faudra ça, 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 ça parce que c'est logique. Des colons, il faudra ça. Il euh, y a beaucoup de choses. Euh, bon après voilà, on a expéditions. pas mal de, de, de petits trucs, hein, euh, des réparations, sauvetages. Et vous avez vu le nombre d'idées. C'est pas aussi développé qu'on a pu le voir dans euh, Colonial Marines, qui était vraiment un gros setting pour faire des, des trucs spatiaux, Et des voilà, des, 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 des colonies, euh, enfin, des, des trucs euh, de, de bourrin marine, c'est tout. Non, non, non. Là, par contre, on, est, on va plus sur des petites idées, comme ça, des petits synopsis, des petites idées, plutôt qu'un gros truc construit. En même temps, euh, on, ça peut aller dans tous les sens. Et il y a pas mal de petites choses assez sympas. J'aime bien des, des problèmes politiques, mais également euh, breakdown et sabotage. Hein. Il peut y avoir des problèmes de sabotage. Ça peut être aussi vous qui allez saboter quelque chose. Attention. Hein. Euh, Criminel, investiga investigation, investigation un, de mes, un de mes petits favoris. Et si euh, cette histoire. De, de créatures sauvages qui tueraient des gens sur cette colonie, et si c'était pas du pipeau. Et qu'en fait, il n'y aurait pas un tueur en série dans la colonie à retrouver. Et du coup, une petite campagne, on ne sait pas trop s'il y a un xénomorphe ou si c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Et là, j'adore j'adore le pitch. Bref, on a beaucoup de choses, on retrouve les harvesters, donc c'est un truc qu'on avait dans le livre de base, une grosse bébête, et ben, vous avez vu la taille du tardigrade, sans déconner l'utiliser. Bref, on a beaucoup de choses. On va avancer un petit peu. Les systèmes et colonies. Là, on a une très très grosse liste de colonies en plus, avec à chaque fois des idées. Bon, il euh, y a aussi toute la partie chiffrée, bon si vous aimez, hein, Mais voilà, donc on a pas mal de choses. À chaque fois, avec des petits emplacements. Par contre, as besoin du livre de base et de la carte. Hein, et attention, vous allez galérer pour les retrouver sur la carte. C'est un petit peu dommage. Un petit quadrillage, vous savez, euh, ABC, un euh, petit ordonné, ça aurait été bien pour se retrouver un petit peu sur la carte. Mais on n'a pas ça, tant pis. Donc, débrouillez-vous. Donc, on a beaucoup de choses, beaucoup de colonies. Euh, alors, il y, en a quelques, il y en a quand même quelques-unes qui ont été créées. À peu près un tiers des, des colonies qui sont présentées ont été créées pour l'occasion. Il y en a beaucoup. Ce sont des références aux romans, aux comics et tout. Du coup, si elles ont été utilisées dans un, comment, un comics ou un roman, c'est qu'il euh, n'y a plus grand-chose de vivant dessus. Voilà. Bizarrement, il y a toujours des rumeurs d'épidémie là-bas. <laughs> voilà. Ça aussi. J'adore cette illustration avec le processeur atmosphérique qui, qui fume alors qu'il ne devrait pas. super idée donc, il y en a beaucoup, 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 beaucoup, beaucoup. Bon, on retrouve un bestiaire. Et ça vous manquait les bestiaires. Hein, et on joue à Attention, grosse bête. Franchement, cette double page. Splendide. Oui, il brille, c'est normal. Donc on reprend de nouvelles bestioles avec des trucs qu'on a vus dans les scénarios cinématiques, ou des trucs tirés, eh bien, un petit peu euh, du film Prometheus. Parce que il bah, y a les sales bêtes qu'on a pu voir avec, dans le film Prometheus au début. Bah c'est plutôt ce genre de bestiole qu'on risque de croiser qu'on va dans l'espace. Hein. L'alien, le xénomorphe, lui, pas, pas tout le temps. Normalement. Donc on va retrouver des petits trucs assez rigolos. Euh, des trucs totalement créés, assez rigolo. Hein. Bon, on va voir euh, les, les abominations qu'on a vues dans certains trucs. Euh, on retrouve, euh, voilà, les néomorphes, mais, enfin une illustration de néomorphe pour illustrer un beluga. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est pas grave, hein, ça, on chipote. C'est pas la même bébête. Ah, alors ça, on va parler du full fremen. On en parlera tout à l'heure hein, dans une petite partie spoil. Euh, il manque un truc, il manque une illustration, et c'est très dommage. Les proto-xénomorphes, les proto-ruches, euh, voilà, avec euh, le dicon, le, le trilobite qu'on a vu dans Prometheus. Hein, si vous cherchez, on les a vus. Et le xénomorphe bénéficie, voilà, je vous le dis, d'une nouvelle phase, donc, après reine alien. Et si vous preniez une impératrice dans les dents hein Voilà, la version encore au dessus dire que... Là, le bouquin vous dit même euh, on ne peut pas la tuer, hein, laisse tomber, euh, t'as vu la taille du bestiau, euh, au mieux, tu peux peut-être faire diversion pour te barrer en espérant qu'elle ne te tue pas à distance. Parce qu'elle a des pouvoirs psy, en plus. Il euh, y a un truc qui brille en noir, c'est assez rigolo. Et les mondes perdus. Voilà ce qu'on vous explique en fait Voilà, il va y avoir toute une histoire. Voilà, gros arc, c'est quasiment la campagne. Donc je vais éviter de trop le montrer. On va revenir sur ma, ma tronche. Voilà. Voilà. Donc, il s'est passé quelques petites choses hein, maintenant dans, dans voilà, euh, parce qu'en fait, euh, toute la campagne va partir euh, repose sur un des événements qui a eu lieu maintenant, qui est canon. Hein, voilà. Il euh, y a toute une partie de la galaxie, comment dire euh, Je vais même changer la couleur pour montrer qu'on est alerte l'air spoil. Voilà. Et oui, oui, ouais, comme ça. Donc. Il y a toute une partie de la galaxie, un gros, gros paquet de colonies. On a perdu le contact. Il y a une centaine d'années, on a, on a colonisé plein de petites planètes. C'était super sympa. Mais suite à des problèmes d'éruptions solaires, de, de flux de, de rayons gamma, ce genre de choses, le voyage hyperspatial n'était plus possible là-bas. Il n'y a plus de FTL parce que, parce que impossible d'y aller. Du coup, en fait, il y a plusieurs dizaines de colonies qui se sont retrouvées isolées pendant près de 100 ans. Et dans quel état le sait On ne sait pas. On ne sait pas du tout dans quel état elles sont et tout, et ça va être le pitch de la campagne parce que, eh bien, on... la campagne, c'est on va lancer une grosse, comment dire, une grosse expédition de sauvetage, en fait. On repart là-bas avec une... toute une flotte, avec un énorme vaisseau et tout, et le but, c'est de retrouver ces colonies pour, eh bien, comment dire, euh... Bah, euh, voir comment elles si elle, elle se, euh, se, se comportent et tout, et puis il ira dans le truc. Ah ouais, attention, il y a même un alien qui arrive derrière moi. Euh, non, il n'y a pas de warp. En fait, je dis hyperspatial, je me suis trompé. En fait, vu qu'on voyage plus vite, plus vite que la lumière, basiquement, c'est juste que les ordinateurs ne pouvaient. Ne... L'électronique avait tendance à griller dans cette région à cause des éruptions solaires. Un peu trop massives. Du coup, bah, on n'y avait plus. Il voilà. n'y a pas de warp. On n'est pas dans 40 000, même si ça ressemble un petit peu à voilà, à certains éléments de 40 000. Ça m'a fait un petit quai. Hein L'air des luttes, tout ça, tout ça. Bref, on n'est pas là. Donc, on envoie cette expédition. On va revenir. Ça va être. Assez, on en voit du monde, ça va être assez sympathique. Bon. Puis je la campagne, voilà. Et là, on arrive sur le gros de la campagne, parce que cette campagne, elle est en sept parties, comme euh, la, comment dire, la, la, la campagne Marines. La campagne Marines était en sept parties et tout. Et bien là, on, on va avoir également une grosse campagne, mais cette fois dans une structure différente, parce que là, on est dans un énorme bac à sable. Et euh, sur quelque chose d'un petit peu. Un petit peu peut-être un peu plus exigeant que l'autre campagne hein, qui était un peu en mode fais ton scénario, parce que basiquement tu en mission, tu vas en mission du point A au point B, euh, fais ton truc, fais ta mission, ta marine se pose pas de questions, fais ton truc. Là par contre, il y a un aspect un peu gestion dans cette campagne, dans le sens où vous allez retrouver des colonies qu'on a perdues, vous en avez quelques-unes, que les personnages sont en, en, en quelque sorte aux commandes d'un des vaisseaux. Il y a un des vaisseaux de sauvetage, enfin d'exploration, de, sauvetage, prospection, et c'est vous qui allez choisir, en fait, vous arrivez dessus, c'est vous, vous êtes totalement libre. Vous allez choisir. Est-ce qu'on euh, reprend contact Est-ce qu'on laisse l'autorité sur place euh, en place Est-ce qu'on reprend le contrôle À qui, qui on veut mettre en avant et tout euh, Et surtout, bah, s'il y a des planètes, qui, où il n'y a plus personne, bah, est-ce qu'on n'en prendrait pas le, pas le contrôle, mais la gestion Parce que elle est sympa cette petite planète, mais les scans indique des gisements de, de palladium, de lithium et d'iridium en masse. Oh, les gars Franchement, on nous le contraint en premier, il y a moyen de se mettre plein les fouilles. On est d'accord. Des petites idées comme ça, il va y avoir un gros côté gestion super sympa. Voilà. Donc on est sur une grosse, grosse campagne. Cette séance, minima, parce que les scénarios sont assez, 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 assez imposants. Et euh, si vous faites jouer des, des séances, des scénarios entre eux, chacun des scénarios officiels, vous en avez pour très longtemps. En tant que la létalité, elle n'est pas si élevée que ça dans cette campagne au début. Parce que là, on va devoir faire face à une nouvelle menace, une menace absolument délirante dans cet univers, quelque chose qui a été créé dans le scénario, le cœur des ténèbres. Donc, si euh, vous n'avez pas encore joué, bouchez-vous les oreilles, je suis désolé. Voilà, voilà, voilà. cœur des ténèbres, top Ut darkness. Parce que cette campagne faisait intervenir un nouveau, une nouvelle créature. Le Full Fremen. Euh, par contre, tu pourrais me dire, Fred, comment elle s'appelle le Full Fremen en VF Parce qu'ils disent Perfected en anglais, mais je connais pas le nom de la France. De la, la, comment dire En français. Donc, une, une nouvelle bestiole, une nouvelle bestiole incroyablement balèze, monstrueuse et intelligente, quelque chose qui n'a rien à voir avec le xénomorphe. Euh, quelque chose dans l'esprit vraiment très Giger esque hein. Là, on est dans du, du, du truc biomécanique super chelou avec esprit de ruche comportement un peu, un peu malsain euh, et plus humanoïde qu'autre chose. Et cette chose-là apparemment a... est peut-être apparemment en quelque sorte responsable de la mort des ingénieurs. Rien que ça. Voilà, on vous apprend que c'est eux qui ont provoqué la destruction des ingénieurs, c'est pas les xénomorphes. Et que cette là bah, peut-être qu'ils étaient en stase et peut-être qu'une bande d'abrutis de colons on les ont réveillés et du coup ils aimeraient bien se, se, se répandre partout dans la galaxie pour euh, le parfait. Ok, il oui. bon, est parfait. Il est parfait. C'est un peu ça. Voilà, donc, il est parfait. Donc, c'est le bête. Elle bien répandre la perfection. Hein, donc, une sorte de corruption euh, biomécanique un peu partout. Et attention, c'est beaucoup plus énervé qu'un xénomorphe. Donc, voilà, toute la campagne va reposer sur ce truc là Donc, en fait, on est sur un peu une course contre. En fait, on va devoir retrouver ces, des colonies qui sont souvent infectées par des ruines xénos, des xénomorphes ou pas, des ruines ingénieurs et des parfaits. Hein, ou des full freemen qui, 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 qui intriguent en même temps avec l'aide d'une secte, une secte religieuse complètement starbée qui les vénère. Et on est parti et ça finit avec une bataille spatiale, on dirait Mass Effect 3, sans déconner le grand final. Non mais vraiment, ça m'a peut-être un, peu, un petit peu surpris parce que euh, littéralement, euh, le grand final, euh, si vous avez bien géré votre truc, toutes les factions que vous avez rencontrées, vous les appelez à l'aide pour la bataille finale sur la flotte. Qui est en fait peut-être un piège. Ah donc, en fait, ouais, ouais, on dirait vraiment la bataille de la Terre avec les, les, les moissonneurs. Mais le niveau des Pyknes, il est là. Euh, par contre, on n'est pas Shepard hein, et son équipage, du coup, on va vraiment morfler sévère. <laughs> il va y avoir des morts dans de tous les sens et c'est d'une létalité juste débile. Bref. Voilà. Donc, un gros truc. Euh, on va revenir un petit peu à des couleurs un peu plus chaudes pour dire que la partie spoil est terminée. Ah. Voilà, donc, la par partie spoil est terminée. Voilà, je vous ai montré, un... expliqué un petit peu le pitch de cette grosse campagne. Je voulais pas en dire plus parce que c'est les gros secrets de. Euh, ce supplément serait dommage de le gâcher parce que c'est plutôt sympa et pas trop mal voilà euh, et puis après on finit avec des, des fiches si vous voulez créer un, il y a plein de petites règles pour créer votre propre colonie et ça c'est rigolo parce que ça m'a fait penser au supplément sur les colonies que j'avais chroniqué pour The Expanse il y a quelques, quelques mois ouais. on retrouve à peu près la même chose hein, c'est marrant euh, d'ailleurs si vous ne savez pas quoi faire euh, prenez les deux, les deux bouquins ensemble et vous avez une liste de colonies qui est totalement invraisemblable et vous pouvez jouer des dizaines d'années sans déconner. Voilà. voilà. Vous pouvez revenir. Hein. Voilà. Re revenez, revenez. Re Reviendez, les gens. Et fini de spoiler. Ouais, au pire, on le mettra dans le chapitrage. Excuse-moi, pour la part. Ah, oui, non, mais c'est vrai qu'il faut que je mette un gros bandeau spoil. maintenant, voilà, le code couleur, ce sera rouge, c'est spoil. Voilà. Bon. Lumière rouge, égale spoil. Donc, gros supplément. Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors, euh, je ne vous ai pas montré toutes les illustrations, parce qu'il y en a quand même qui elles sont splendides, les illustrations à la fin, mais elles spoilent ouvertement la campagne. Un petit peu dommage. Donc, la partie sur les colons est, est sympathique. Elle est assez. Voilà, ça donne plein d'idées. J'aurais juste peut-être préféré un petit peu plus de, de matière parce que là, c'est juste une liste d'organisation, une liste d'idées de campagne, mais c'est pas aussi poussé que ce qu'on avait dans le Colonial Marines. Colonial Marines, on avait toute l'organisation, quelque chose de plus complet avec les Marines la procédure civile. Donc en fait, c'est un faux problème parce que société civile veut dire une infinité techniquement de possibilités. Il n'y a pas de hiérarchie, on fait un peu ce qu'on qu veut ou ce qu'on peut. Plutôt, plutôt ça. Voilà. Euh, on a le nouveau bestiaire. Le nouveau bestiaire, il est sympa. Il y a des trucs très sympas, des trucs que je trouve totalement inutiles. Mais, avis perso. Euh, voilà, je vous ai dit qu'on parlait d'une impératrice alien. C'est rigolo pour les MJ, pour les joueurs. Ils ne verront pas la différence entre une reine classique et une impératrice parce que les deux sont tellement balèzes que je ne vois pas l'intérêt. C'est juste rigolo. Et on sous-entend sous sous qu'il y a encore quelque chose de plus gros après. Bien sûr. Mais bien sûr. Bon. Et on a cette nouvelle menace voilà, qui, qui est là. Et là, c'est là qu'on arrive, pour moi, à un petit problème de ce supplément. Ce supplément vous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir joué au Cœur des Ténèbres à Earth of Darkness, juste avant. Vous n'avez pas besoin de ça. Ni vous n'avez pas besoin d'avoir joué justement à tous ces scénarios cinématiques hein, qui vous décrivent l'histoire de la souche euh, 26 Draconis. Le problème, c'est que toute cette campagne repos euh, parle de la souche 26 Draconis hein, euh, et... Euh, et du, du full Fremen. Voilà. Donc, cette bestiole qui est apparue dans Earth of Darkness. Et, et c'est vraiment très dommage. Voilà. Parce que ça, c'est obligatoire pour l'OMJ. Vous devez avoir lu le cœur des ténèbres, ou of Darkness, cœur des ténèbres, pour pouvoir faire jouer cette, la, la campagne des mondes perdus de ce supplément. Sinon, ce n'est pas possible. Parce qu'on vous parle de, 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 du fonctionnement. Des, des, des sociétés full freemen, de leurs trucs de, de, de la corruption, du nouveau truc et nouvelles règles et tout. Mais à aucun moment, on vous, on vous en parle, mais sans vous décrire comment ça marche, alors que c'est dans le scénario cinématique. Donc ça, c'est un petit peu dommage, alors que la campagne coloniale marine, vous n'aviez pas besoin d'avoir le reste, vous pouviez la jouer telle qu'elle sans avoir de connaissances supplémentaires. Là, par contre, le reste de la gamme est vraiment nécessaire. Ça, c'est vraiment un point qui me gêne un petit peu. Ça, ouais. Mais bon. La campagne est fun. L'idée que ce soit une grosse campagne bac à sable, c'est rigolo. La côté un petit peu gestion et tout, c'est très sympa. Ça peut donner des campagnes vraiment immenses, vraiment incroyables, des idées de folie. Et puis ça nous offre aussi encore plus de possibilités de jeu en vous montrant que on peut vraiment faire une campagne sans que le xénomorphe soit au centre de l'histoire. Mais vraiment, là, il est clairement plus au centre de l'histoire le xénomorphe. Je oh, suis désolé, j'ai un peu spoilé, mais on est dans de la nouveauté, on est quelque, dans quelque chose de nouveau, on vous montre que l'espace, c'est dangereux, que le Xenof restera toujours la machine à tuer ultime, mais que il n'y a pas que ça, et qu'on a pu y avoir d'autres problèmes hein, qui viennent d'ailleurs et d'avant, et ça c'est rafraîchissant, qu'on peut faire plein d'autres idées de campagne, il y a plein de trucs, que, je pense qu'on ont été un petit peu teasés, hein, le truc, on parle pas mal de, de véhicules, de trucs sous-marins, je m'attends à un scénario qui se passe sous l'eau, oh, oh j'ai hâte, franchement pour ma part, un croisement entre Aliens The Abyss, Subnautica, Waouh, Subnautica horrifique, oh, ça pourrait être trop bien. Ouais, Free League fait mieux que Ridley Scott, c'est pas compliqué. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Ah, non, mais oui, non, mais là, Free League, a, euh, là, l'équipe a réussi un super travail. Donc, pour moi, un excellent supplément. Encore une fois, là, ça prouve que sur la licence Alien, ils sont capables de faire des trucs vraiment incroyables. De... Comment dire De, de s'approprier une licence, d'utiliser toutes les petites références qu'il y a eu partout pour en construire quelque chose d'incroyable, vraiment. Ouais. Tu dis quoi Je pense que depuis le Château des Dieux, il faut jouer dans... Oui, oui, on est d'accord, en fait c'est ça. Donc il faut jouer, techniquement, il faut jouer les trois scénarios cinématiques, le Château des Dieux, Destructeur de Monde et Le Cœur des Ténèbres, il faut jouer euh, dans l'ordre. Sinon si ouais. vous ne jouez pas dans l'ordre, bah, vous allez avoir une sale surprise en jouant Le Cœur des Ténèbres. <laughs> voilà, parce que c'est vraiment, est, est vraiment le grand final. Voilà, et ensuite vous pouvez jouer les deux campagnes qui sont là. Et tu utilises, veux utiliser le système d'alien pour du polaris Oui, euh, je, je, franchement, j'ai envie de te dire euh, carrément parce que pour moi c'est même le système le plus adapté pour ça. Bon, peut-être pas. Je veux dire peut-être pas j'ai sur les exosquelettes, mais en fait si, parce qu'on a des règles d'exosquelettes dans l'alien. Oh bah ça alors. Oui. Voilà. Ouais, c'est aussi pour ça que. Oh, non, vas-y excuse-moi. Non, non Vas-y, hein. ouais, c'est aussi pour ça que tu vois que j'étais. Euh... Critique, même si j'adore sur Blade Runner et Walking Dead. Mais en même temps, ça laisse de l'espoir quand tu vois ce qu'ils font avec Alien. C'est pour ça que je disais sur Blade Runner, attendez, attendez un petit peu de voir ce qui va sortir, comment ils vont enrichir l'univers. Parce que, en l'état, tu vois, c'est assez léger, quoi. Mais donc, voilà, à, oui. à voir ce que ça va donner après. Parce que Alien, ça donne euh, tellement de richesses et tout, le Building Meteor Donc, nous, on l'a en PDF aussi. Hein, merci, mm -hmm. euh, Frédéric, d'ailleurs. J'ai commencé un petit peu à lire. Waouh, effectivement, comme tu dis, ça manque juste un petit peu de corps sur le, la vie au jour le jour des colons. Oui, ça, par contre, la vie, la vie de tous les jours, en ouais. fait, la vie de tous les jours, elle est écrite dans le livre de base. Tu comprends que c'est galère et tout, mais on a, voilà. Par contre, ouais, un truc, peut-être, qui manque dans le supplément, c'est peut-être des exemples de vie sur des planètes un petit peu différentes. Parce que là, on a souvent des planètes qui se ressemblent. Bah, après, j'ai l'impression qu'aussi, ils, ils ont le droit de la création, mais il faut quand même que ça s'inspire de ce qui est sorti en comics et en roman. Du coup, on a souvent les mêmes planètes. Soit un caillou dégueulasse Façon élevé euh, 426, hein, voilà. Soit des planètes très très jungles, comme on a pu voir dans pas mal de comics. Mais entre les deux, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Hein, on retrouve souvent le truc. Euh, voilà, J'adorerais avoir un truc sous l'eau parce que je pense que le côté claustrophobique sous l'eau est encore pire que dans l'espace. Mmh. Voilà. Euh, ça pourrait être là-dedans, ça peut être dans le désert. J'adorerais voir un truc façon un peu western. C'est mentionné pas mal de fois qu'il y a un petit côté western il y a des comics qui nous montrait que des colons avec des, des fermes énormes, vraiment un côté western. Euh, mais ce que j'allais dire, bien. en inspiration, c'est évident. Ouais. Oui. Euh, D'ailleurs, le supplément, j'en ai pas dit, mais montre qu'il y a des colonies avec un avec, nom... Il y a des très grosses colonies, en fait. Certaines colonies, il y a plusieurs centaines, peut-être millions d'habitants. Voilà, une colonie, c'est pas juste un petit troupeau, mais il y a des colonies vraiment énormes dans, le, dans cet univers donc euh, on peut s'amuser à faire des trucs vraiment vraiment fous et encore une fois hein, si vous prenez ça et que vous combinez au supplément euh, Beyond the Ring par-delà par l'anneau la de The Expense, vous prenez les deux vous pouvez les réutiliser quasiment tels quels. vous prenez tout le matos euh, vous l'utilisez ouais. et vous avez euh, pour moi le, le catalogue de colonies le plus incroyable qui, que vous voulez dans la, pour de l'ASF parce que toutes Je les sales ça ça. bêtes tous les trucs chelous que vous croisez dans The Expanse bah, plutôt que de dire ça brille bleu ça bah, suette noir Ok, bah ça rentre dans Je <laughs> J'allais dire, sinon, tu prends simplement les, euh, les lunes joviennes hein, de Jupiter. Oui, voilà. Parce qu'elles sont toutes assez différentes. Donc, tu as des environnements très différents pour créer euh, tes planètes en cours de terraformation. Oui, et on, on parle de quelques colonies. Bon, c'est pas trop, mais on parle qu'il y a quand même quelques colonies dans le système solaire et que parfois, ça se passe pas trop bien. Il que... y a beaucoup de rumeurs d'épidémie. Donc, est-ce que vous avez envie de vous faire une petite infestation xénomorphe dans le système solaire bah faut pas hésiter parce que c'est lourdement sous-entendu voilà il y en a déjà à la maison voilà ben voilà donc pour moi encore une fois très très bon je le rangerai peut-être juste un petit cran en dessous du Colonial Marines qui pour moi était vraiment un supplément qui était vraiment excellent et qui pour moi était le meilleur supplément que j'ai pu voir mais sous le thème des de de, de, de trucs militaires voilà pour rendre ça intéressant ludique et pas trop compliqué il était très bien celui-là bon bah, ben, ça rajoute pas moins de choses voilà mais une campagne très sympa et puis de toute façon la qualité d'écriture reste toujours waouh. Là, on est sur le, le haut du panier de Free League. Vraiment. Et puis, on est à des années-lumière devant euh, Walking Dead et puis les autres. Hein. Attention, hein. <laughs> rien à voir. Donc maintenant, on attend les prochains suppléments. Ouais. Donc, pas de cinématiques qui ont été annoncés, sauf revirement de l'auteur, mais il avait dit que ouais, un peu le bol Il y aurait quelque chose sur les corpos, parce que les corpos, on n'en a pas. Et du coup, on aurait toutes les petites guerres corpos pour terminer un petit peu le, la gamme. Et Déjà là, je, je vois pas trop ce qu'on peut rajouter de plus. Mais on va pouvoir s'amuser. Donc là, quand ça la va la sortir, guerre. ça va sortir bientôt en français. De hein, toute façon, ils l'ont dit. Hein, Arcade va le sortir très vite. T'as les guerres des blocs après. Ah, oui, donc, y a, y a, Voilà. Mais en tu fait, euh, faire, parce que c'est commencé dans le destructeur de monde. Euh, non oui, bah, la guerre, euh... Encore une fois, elle ah. est mentionnée là, et on se rend compte que toutes ces embrouilles, en fait, qu'on a pu voir dans le livre de base, le Colonial Marines et ce supplément, tout est lié. Tout est intriqué. c'est super. Par contre, ça a dû être un, un effort, un exercice d'écriture de lier toutes ces factions pour se rendre compte que les, les guerres entre nations sont liées aux guerres entre corpsaux qui sont liées entre guerres entre les colons, et puis les alliés, différents trucs aliens qui se sont greffés au milieu. Et tu as envie de dire, oh là là, putain, je, tu, vous mettez votre groupe de PJ au milieu. Et pourtant, ça, ça reste cohérent. Là, on est sur... En termes d'écriture, pour moi, j'adore je, ce jeu parce que là... On sent pas que c'est artificiel. Il y a un vrai travail, ça rend bien. Ça, ça, fait, ça fait vrai en fait. On y croit. Cette histoire de guerre qui se prépare, qui se prépare plus hein, depuis Destructeur des mondes, elle se prépare plus la guerre. Hein. <laughs> mm. Mais on se rend compte que ouais, maintenant on arrive à quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc bon. ouais, peut-être que les, les xénomorphes sont sympas. Bah oui. Et... C'est que la Brûlante les connards. Hein. On le sait. Hein. Les films nous l'ont montré. Les films nous montré jeux... que la Voylandte, c'était les, les pires. Hein. Dans le jeu vidéo et tout aussi. Hein. Pire, dans le jeu vidéo, c'est encore pire. <laughs> voilà. Et là, préparez-vous dans ce supplément peut-être à avoir encore plus peur des synthétiques qu'avant. Mm. Voilà. Parce que peut-être que maintenant, le, le truc no... le, la substance noire, elle n'affecte pas que le biologique. Mm. Voilà. Sexy. Voilà, je spoil, mais ça vous donne des chouettes petites idées. Hein. Oh, voilà, c'était Breathing Better World chez Free League. Voilà, c'est un service presse. De hein, toute façon, on l'a dit. Voilà. Oh. Et ça arrive très prochainement dans nos vertes contrées. Déjà en apport et puis apparemment très vite. Et ça, trop bien. Ça, je suis très, très content pour ce bouquin. Vraiment. Super gamme. Pour moi, presque la meilleure gamme de SF actuelle. Avec, euh, voilà, avec, euh... ah, avec les phases. Mais en jouable. Qu'il se fasse jouable. Pas pareil. <laughs> J'adore le jeu, mais le système, il n'est pas là. Là, par contre, on a tout. Bon, voilà. Mais Donc, alors, alors, ça, on a fait. Est-ce ouais. que tu penses qu'on arrive au bout de ce que Freelix peut faire avec la licence Pas du tout. Pour moi, on peut faire encore beaucoup, beaucoup, bah, beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup. De, le, le supplément, en fait, là, on, ça, ça donnait l'impression d'une bulle qui grossissait les clés du le livre de base des séances cinématiques et le Colonial Marines montrait une bulle et là et ben en fait cette bulle avait d'exploser en vous montrant en fait qu'il y a un million de possibilités dans ce jeu et qu'on est on, je sais pas si un jour on pourrait en voir la fin là vraiment hum. les possibilités sont vraiment infinies et clairement on vous le dit mais ça se sentait des livres de base en fait c'est ça qui est assez extra oui que mais là je, clairement sentait qu'il y avait quelque chose quoi et là vraiment ces petits synopsis à chaque fois ces idées de campagne différentes vous montrent hum. que bah, un euh, comme je dis, un truc euh, policier, un truc d'enquête, un truc de, de prospection. On peut faire de la bonne vieille exploration à l'ancienne sans tomber sur un, un facehugger euh, tous les 20 mètres. Bon. Rien que là, déjà, bah, tu fais ah, bah, ça y a beaucoup de possibilités. On peut faire de l'archéologie, de l'archéologie spatiale, de la xénoarchéologie, ça peut être génial, faire bon, Elle peut être un petit peu dangereuse, mais il y a moyen de faire beaucoup de choses. Bon, bref. Voilà, vraiment, je... J'ai relu le bouquin et j'ai qu'une envie, c'est de refaire... remaitriser du Alien. Alors que je pensais en avoir fait un petit peu le tour avec les derniers suppléments. Donc euh, si celui sur les corpos pousse encore le truc plus loin... Euh... Bref. Hmm. Fred Hugger. Oh, c'est joli ça, j'aime bien. Oh là là. Oh, bien. Oh, 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 je sens le petit montage Photoshop dégueulasse en, en, en approche. <laughs> oh. Incroyable, vous avez noté ça <laughs> Moi, en tout cas, je m'en moi, moi, je souviendrai. Voilà. Bon, euh, on a fait tout ça Oula, ça fait déjà 1h40 qu'on est là, on n'a pas parlé de l'actu, on se met un petit point actu rapide Allez, tiens. Je t'ai tout préparé, c'est parti. Alors, on va commencer en euh, convention, festival, tout ça, tout ça. Hein reparti. Alors, euh, oui, ça reprend, ça reprend. On va commencer, alors, par le... les choses et Voilà, et eh bien pour ce week-end, tout est ce week-end d'ailleurs. Voilà. Oui, toujours. Donc, 24 heures, Cholet Jeux à Cholet. Voilà, on va vous mettre. Voilà, parfait. Donc, euh, 14e édition du festival. Ça va, hein euh, 4 oui. euros l'entrée. Voilà. Et gratuit pour les moins de 10 ans. Voilà, c'est à Cholet, ça... oh, depuis 2009 déjà. Oula, ah oui. Ouais. Et c'est. Il y a de tout. Mais il y a même du jeu de rôle oui, sur celui-là et du jeu de rôle en plus. Donc, franchement, euh, voilà. Donc, si vous êtes dans le coin, vous savez où aller. Je vous mets le petit lien. Voilà. Voilà, il a, il a accepté. Voilà. Donc, ensuite, nous avons Golbé. C'est Golbé joue. Et c'est à à Golbé dans le 88. Ça, je connaissais pas. Voilà. Multiples animations. Euh, ludique et, et je suis fatigué moi j'ai lu juridique ou wow, animation juridique <laughs> et tournoi oh, voilà wow, compliqué <laughs> c'est dans les Vosges <laughs> dans les Vosges d'accord voilà au oh, pied des crêpes je veux des Mais... bon, crêpes manger des crêpes c'est ça bah, les crêpes ça me, ça me tente hein, du coup <laughs> entrée gratuite plus 300 jeux et beaucoup de choses voilà donc allez-y ensuite euh, dans le 68 la fête du jeu à Bushweiler Bushweiler Bushviller, Bush... Miller, oui. Rider. Bushviller. Schweider, voilà. Mm. Voilà, j'ai. responsable prononciation. Il a parlé. Ouais, mais <laughs> bon, on vous aussi, met le fois. lien. Voilà. Encore une fois, c'est ce week-end. Ok, voilà. Euh, Entrée gratuite aussi. Voilà, ceci. Il y a de tout. Ouais. Puis, les espaces enfants, on y pense, on y pense rarement, mais c'est quand même vachement bien. Il y a un Escape Game Harry Potter. Trop bien. Ah ben bah oui. Ça, ça va marcher tout seul. ça, ça va marcher tout seul. Bon. Euh... <laughs> <laughs> ah, en Alsace ah, c'est formidable ah, <laughs> alors niveau financement Outre-Atlantique quelques petites choses quand même oui. hein, voilà donc on va commencer chez Midnight Tower oh. on va ça on va, on va ça ah voilà ben oui attends je vais retrouver il est là il va... voilà, voilà, voilà. donc édition. financement de Battle for the Rim pour la cinquième édition donc c'est la fin des mini campagnes ouais, ouais. donc quelqu'un vous parlera plus en détail. C'est niveau, niveau 10 à 15, ouais. celui-là. C'est voilà. ouais, pour clôturer. Il, il parlait un petit peu, hein, quand même, de, de, de voir si, parce que ça, ça a été demandé par des fans, hein, de créer carrément le settings des Eastern Faraway. Hmm. Parce qu'ils l'ont bien développé au fur et à mesure des suppléments, donc euh, c'est vrai que ça, pour, ce serait pas con. Donc, après, bon. celui qui con. donc voilà. Ok. Euh, chez Cobalt Press, hein, voilà, nous avons euh, of The Valiant de Game Master's Guide. Donc, Encore une fois, Kickstarter, donc le guide du maître du donjon pour la variante 5e édition de Cobalt Press. Oui, voilà. ça ressemble à ça. C'est voilà, après le bordel de l'OGL, en fait, tous les éditeurs avaient un peu planché sur euh, il s'en sort, etc. Et la version. Euh, alors, bah, ils ne savaient pas à l'époque, hein, quand ils ont commencé à développer, que euh, Wizard basculerait tout en, en Creative Commons. Du coup, Tales of the Valiant, c'est la version Cobold d'une licence totalement ouverte. Ça, ça reste du donjon hein, euh, clairement en mmh. cinquième édition, mais c'est la version Cobalt, qui peut être prise ouais. un petit peu par tout le monde. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que c'est un peu emblématique de ce qui passe aux états unis donc c'est toujours intéressant de le citer. Quoi. Voilà. Euh, on change de style euh, radicalement. On vous a parlé, il y a quelques, temps, il y a quelques mois, de City of Mist, un hein, euh, superbe jeu de fantasy euh, urbaine, avec un système peut-être un peu un petit, peu, un petit peu lourd, mais avec un pitch juste incroyable, des illustrations, une maquette, un truc de produit de fou. Et du coup, nous avons à avoir Legend in the Mist. Donc, en fait, la version fantasy, mais pas high fantasy. Ru rustique fantasy. Voilà, je vous ai mis le lien. Voilà, donc ça, c'est en backer qui est donc... Voilà, donc ça, c'est pas mal. Si on a une petite illustration à montrer... Elle arrive, j'avais dû oublier de l'uploader. La voici <laughs> Voilà, Et on retrouve toujours ce, ce style graphique. Oh. Voilà, et en plus toujours si on reste avec le principe de la brume de l'univers de base, oh, possibilité infinie. C'est trop bien. Et ensuite, en, alors bientôt, hein, il n'a pas commencé, il a pas commencé, chez Too Little Mice. Nous et avons oui. Memento Mori. Alors Too Little Mice, éditeur à suivre, mais vraiment, c'est un éditeur qu'il faut vraiment, il, il faut suivre hein, ici. C'est Parce que c'est eux qui ont fait Broken Compass, à tout hasard. Mmh. Imaginez, Out voilà. Gun. Outgun, broc... voilà. Bref, ils sont trop bien, ils sont trop doués. C'est incroyable. Donc, un jeu où on est atteint d'une maladie incurable et on, on, doit, on doit faire quelque chose d'un. Voilà, des hauts faits, ce genre de choses, avant de disparaître pour de bon. Voilà, avant la fin. Il s'annonce désagréable. Voilà, partir en beauté. Voilà. Et du coup, Dark, fanta dark Fantasy. Et, et j'attends d'avoir des infos sur le système, parce que si c'est le, le système euh, à eux, leur système, oh, oh là là, ce serait très bon, ça, ce serait vraiment très très bon. Ouais, c'est inspiré de l'Europe médiévale avec la peste. Hein. Ouais. Oui. Sauf que là, tu as des démons, des machins comme ça, des trucs tout, tout à fait gentils. Voilà, Attends, on l'a mis... Oui. Oh, call sur... oui, oui. Ok, t'as mis le lien. Ah oh, oui, tout, tout à fait, fait. Call bah, Incroyable, incroyable. Cet homme, il, il est tellement efficace. <laughs> Bon, voilà. Euh, ensuite, bon, sur Game on, là, c'est un petit peu calme pour l'instant, mais bon, dans quelques jours, vous allez avoir Assassin's Creed hein, qui arrive. Bon, euh, on ne se doute pas que ça va cartonner, c'est juste qu'encore une fois, je regrette le, la communication au Schnapps d'Arkane, qui nous en parle une semaine avant. Ça, je suis déçu, alors que bon. Euh, alors. La licence Assassin's Creed, le bouquin était sorti en VO. Il y avait un Kickstarter qui était passablement généreux hein, et qui nous laissait, en fait, qui nous montrait qu'en fait, bah, le, le jeu se contentait pas d'être un, un, une bête reprise des jeux vidéo. Non, non, il y avait vraiment une notion de revivre des éléments du passé, de faire dans le présent et le passé en simultané avec un système qui avait l'air vraiment sympa. Il y a vraiment une vraie recherche dessus. C'est pas une bête adaptation. Et là, j'en attends beaucoup sur ce truc-là. Mais bon, Zero Com, voilà. On rappelle qu'il est le créateur de Assassin's Creed, quand même. Un monsieur qui est un peu connu pour nous. Ouais, ouais, mais monsieur Nepitelio, hein, qui a voilà, euh, bossé oui. dessus. Donc, vous savez, monsieur euh, L'Anony. Bah oui. Donc, niveau adaptation, il... il connaît. Ouais, voilà. Ouais, on... <laughs> mais voilà. Bon, par contre, attendez-vous un financement assez onéreux. Hein non, en véro, le... c'était cher. Très cher. Donc, euh, là, ça risque d'être pire. C'est dommage. De toute façon. On verra ça. Euh, alors, quoi d'autre Ah oui, c'est vrai que euh, Metalurclan un financement sur Kikis Kis, Kis, Kis Bank Bank pour avoir service spécial. Chat. Mais oui, les et chats. Ouais. Et les chats. Il y, y, y a de tout. Et ben, on va parler et des chats. Ça, voilà, donc, incroyable. Avec couverture alternative, c'est splendide. C'est déjà le grand, vous... quoi. Oui, voilà. Et c'est dioné euh... aux commandes. Il revient exceptionnellement à Redact Chef sur ce numéro-là. Oh Mmh. Bon, ah ouais, sur, la, sur la page du financement tu vois Dione, tu vois un petit peu tout ce qu'il y a au programme et tout, avec du Moebius et compagnie enfin voilà, c'est que l'inspiration donc euh, que du bonheur c'est vrai que de temps en temps on aime bien parler de ce qui sort un peu du jeu de rôle et qui peut nous inspirer, donc Metal Hurlant c'est de la bonne oui, Metal Hurlant c'est une valeur sûre alors euh, sinon, l'actu à côté euh, chez, chez, chez nos éditeurs à nous, il hein, y a quand même quelques petites choses voilà donc euh, on sait que bah, ça arrive très prochainement mais Cthulhuwak la V2 une 1.5 V2 je, une 1.75 à peu près hein Ah de Toulouse, chez 12 elle arrive en financement euh, très 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 prochainement hein, que je ne dis pas de bêtises la date c'est dans 12 jours ouais, j'ai voilà, mis, on... mis le lien vers la page Facebook parce que c'est là qu'il y a les, euh, une oui, petite les. photo et puis euh, un petit peu ce qu'il va y avoir exactement dedans voilà donc euh, en plus ce sera surtout en courant rigide c'est bien euh, Il ouais, ouais. faudrait que je m'y replonge parce que j'ai la première édition qui était buggée. Bon. Donc euh, sur, ensuite, on en a parlé tout à l'heure, mais la Lisière, le, supplément de la, le, le financement de la Lisière, l'énorme campagne à Salem sur Toulouac euh, arrive très prochainement. Donc ça, on va vous en parler en long, en large, en travers. Hein, ça, je l'attends avec impatience. Euh, chez Agathe, on en a parlé rapidement, mais Inferno. Euh, Inferno euh, à, à, a bien débuté voilà plus de 700 quasiment 750 souscripteurs Ça va voilà en même temps avec des visuels pareils et puis bon sous la cinquième édition c'était pas compliqué et puis là on a un exemple d'éditeur qui s'est communiqué et puis c'est ce qu'on discutait un petit peu en off c'est à dire que c'est les gens qui ont commis calonia et qui savent a priori qui savent ce que c'est que tu prends la cinquième et tu adaptes de façon correcte oui oui mais et puis là vraiment mais là on a un exemple de communication réussie Communication mmh. qui a été faite des semaines en amont, ouais. où euh, toutes les chaînes, euh, bah nous on a été contactés, mais toutes les chaînes tout de Twitch, YouTube, tout, toute la presse a été contactée. Voilà, on a un vrai dossier. Là, on le savait. Ah, Assassin's Creed, euh, il y a eu un post sur Facebook. Voilà. Bah, <laughs> si donc... tu regardais pas les financements à venir, tu ne le savais pas. Oui. Voilà. pas. j'allais dire, de toute façon, c'est Assassin's Creed. As pas... C'est de la licence qui vend. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on nous contacte nous Autre débat non, mais bon, bah là, par exemple, on est sur un financement, sur un supplément de la 5 édition, ça elles se vend tout seul. Oui. <laughs> mais voilà. Voilà, voilà. Bref, désolé, j'ai l'air de m'acharner un peu sur Arkane. C'est juste que j'adore je, leur jeu. J'adore les choix de jeux qu'ils font vraiment. Le produit finit toujours incroyable. La communication chez eux, c'est une catastrophe. C'est tout. Ouais, bon, la communication d'Arkane, c'est pas compliqué, il euh, n'y bah, en a pas. Du coup, il euh, n'y a pas de problème de communication. Voilà, J'ai mis les liens qu'il fallait pour le Ulule, etc. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Bon, sinon, on en a parlé la semaine dernière, mais Torg, la cyber papoter a dépassé les 60 000. Ouais. Du coup, ça valide la continuité de la gamme. Hein. Du coup, la gamme continue on aura les pro... au moins le prochain supplément. Ouais, voilà, ça donc... fait 3-4 heures avant la fin, ils ont passé les 60 000. C'est ça. Donc, de pas beaucoup. Donc, au moins, Torg continue que ouais. bah, Torque, je me pose quand même la question, ouais, euh, on a beaucoup réfléchi avec d'autres sur bah, est-ce que s'ils avaient mis juste le livre de base et tout, est-ce qu'ils auraient levé assez d'argent pour financer bah, Probablement que non, parce que Torque, c'est quand même un jeu de niche, vraiment. Mm. Je pense qu'avec Emmanuel, on vous parlera, bah, de toute façon, on parlera tous de Torque, parce que c'est que j'ai le livre de base et le premier supplément, donc pour en parler un petit peu. Mais c'est vrai que bah, du... c'est un jeu qui a vraiment du mal à prendre en France, en fait. Ouais. Un peu comme un Rift en fait, aussi, ouais. qui est un autre genre, hein, Mais les, les jeux à multi, comme... les jeux à multivers, multivers ont ouais. jamais pris, genre bah, The compte. Strange n'a jamais pris chez nous. Peter, pourtant, a, une, a des pitches incroyables, mais ça, non. ça veut pas. Ouais. Donc, on a ça. Bon, après, ça va jouer Il y aura une suite. Hein, voilà, ça, la gamme, ça va Continue. Ça c'est bien. Ouais. Voilà. Donc ça continue. Ouais, c'est une gamme privée. Ouais, tu dis ça. Ouais, mais c'est une gamme privée pour 300 acheteurs ouais bah oui mmh. malheureusement ouais, parce qu'ils le, qu 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 le disent eux-mêmes en boutique ça, ça, ça marche pas mais non mais a... oh. en fait maintenant je me dis que ouais, la BBE il y a des grosses licences qui marchent très bien Shadowrun et Chroniques Oubliées ouais. et Pathfinder mais à côté il y a des petites licences de niche des jeux de niche qu'ils aiment bien et qui... qui continuent qui lancent et puis bah, ils ont du mal après derrière c'est compliqué bah ouais, ouais. Et voilà, bah, donc, euh, bah, du, du, du coup, je, je l'ai rajouté là pendant qu'on discutait. C'est Dany qui nous a envoyé la, la, la petite... Oui, tout petite à fait. J je t'interromps deux secondes. Il oh, y a non eu, non eu sur, sur l'œil noir, puisque la gamme, par contre, là, il ne la continue plus. Hein, il n'y a pas, pas assez de gens qui étaient derrière. Et du coup, c'est les... Euh, je ne sais plus comment s'appelle la sauce, hein, qui, qui continue des trades derrière mmh. avec l'accord de BBE. Et viennent de sortir aujourd'hui, alors c'est uniquement PDF, c'est l'herbarium aventurien. 160 pages, oui. le machin c'est pas ah, juste vous... une... ah, pas juste un recueil de plantes quoi il y, a... ouais. ouais, ouais, y a plein de choses des idées de scénar et tout et tout donc ça a l'air vraiment cool donc bah, pour ceux qui aiment l'œil noir et qui veulent continuer bah il faut, faut soutenir l'initiative parce que c'est des fans ouais, ouais c'est beau puis c'est des fans qui, qui s'emmerdent à traduire le truc euh, et tout quoi tu vois donc euh... ah oui je peux dire ouais, que je pense bravo, vraiment que de, de toutes les communautés hum. de, de fans de, 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 de des, des communautés rollistes les fans de l'œil noir sont parmi les plus fidèles que j'ai ah, oui. pu voir sur un, sur un jeu mais vraiment ah ouais, et... j'en ai une dizaine sur le forum, tu les vois régulièrement. T'as l'impression qu'ils sont 350 quand ils parlent. C'est incroyable. Oh, ils font le boulot mais, mais ouais, ouais c'est incroyable. <laughs> ils, ils sont motivés et tout. Après, t'apprécies tu pas le jeu, ça, oui, ça, c'est oui. le goût de chacun. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, tu peux pas dire que les mecs, ils se, se bougent pas pour, pour, leur, pour ce jeu-là. Oui. C'est voilà, ouais, cool. de RuneQuest aussi, ouais. les fans de RuneQuest aussi, hein. c'est des. Oui. J'y crois. C'est des acharnés. Ce que -ce bah, que... Je peux comprendre. Hein, J'adore l'univers, encore bon, une fois, mais je fais pas tourner ce. Si je fais je jouer, ce sera sur, euh, la... pas sur cette version-là. Système que je trouve trop lourd, malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que ce jeu est beau Bon, euh... qu'est-ce qu'on a Tu pleures la paire de numéraire bah, Oui. Je ne comprends pas. Bah, bon, je, je, je pleure avec les phases. Chaque, chaque matin, je verse une larme. <laughs> Bon, voilà. Euh, sans cœur. Ah oui, chez Imperial Media Production, sans cœur. Voilà. Ah, Donc, magnifique, quoi. Vous voulez jouer à Dark Souls ben, Je crois qu'on a enfin trouvé un jeu qui permet de le faire et qui n'est pas bugué. Ouais. Donc, euh, on, va, on, va, on va creuser un petit peu le truc, mais oui, en oui. tout cas, euh, ça ne va pas être pire que les deux premiers jeux sur Dark Souls. <laughs> Déjà. On peut rediscuter avec Julien si on le croise à Cannes. T'inquiète qu'on va le cuisiner. Exact. Donc il euh, y a pas mal de choses. Donc voilà euh, toutes les news, euh, pas mal de petites choses, plus rien annoncé, plus tout le planning d'Arcane qui a été balancé. Autant dire qu'on est, on part sur une très très belle année qui va nous coûter très 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 cher. Tiens, ah je oui. Te et rajoute. puis news. Ben oui, Arthur, Toulou, dont on a parlé un petit peu en début d'émission. Voilà. Encore hein, une, une nouvelle mission. Hein, euh, oh, Arthur Toulou. Le voilà. Hein, on rappelle Cartoon Cthulhu, il y a eu quelques gros suppléments, mais on est pas mal sur des petites missions, parce que c'est un jeu à mission. Oui. Donc il y a pas mal de missions qui sortent en PDF, parce que c'est Bodifus et qu'ils aiment beaucoup sortir ça en, en PDF. Donc là, est des... on est en carne et les... Va... les résistants, on va jouer le côté résistant cette fois, on va voir fort à voilà, On va dans le Caucase, avec oh. des ruines. Le là, ça pousse bien. bien. Voilà. Ah oui. Et et donc... euh, il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a six ou sept missions qui ont été euh, sorties en PDF, ça sort ensuite ouais, en dur. Non, compilé, une ouais. de Mission 5. je crois de mémoire ça, ouais. il y en a déjà deux qui sont sortis ouais. oui, oui. Euh, Artung Toulou, en tout cas là chez Modifus gros gros suivi ouais c'est que, que du bonheur hein. on, on fera un, un retour je pense sur sur la gamme Artung Toulou, parce que ça aussi il euh, y, a, y a des scénarios juste incroyables oui, oui, vous dem... ah oui, 2024, ah, oui 24, ah oui voilà ouais. fais, ouais. ah mais je pense que je vais vendre un rein hein. <laughs> pas le choix ça va coûter trop cher hein, tout ça et, oui. et, et, puis, et puis voilà, voilà déjà cette, euh, cette actualité très chargée. Mmh. Et en espérant que la, la semaine prochaine ça se calme un peu, parce que là, euh, là je suis en train de, de planifier mes achats de l'année. Euh, mmh. C'est déjà chaud là. <laughs> ouais, ça va. Ah. Bon, parce que, parce que je, fais, je fais de plus en plus attention. Ce, ce que vous me voyez là avec là et tout, c'est des vieux pledges. Hein, donc euh, dans les récents, j'ai beaucoup moins de trucs. Ah bah, j'avoue que j'ai pas pledgé grand chose ces derniers, derniers mois hein. là c'est vraiment des, des pledges euh, vraiment pareil il y a un an, peut-être deux ans pour les plus anciens qui arrivent enfin mm. et certains euh, que, franchement j'ai tellement hâte de recevoir Néphilim ah bon toi aussi <laughs> ça traîne hein bah normalement c'est je crois hein, de, de toute façon on demandera à plus en... oui voilà bah, bref, on vous en parlera quand ça arrivera Bon. Petit, petit planning de la semaine si tu, tu comptes streamer jeux vidéo cette semaine ou quoi, Pas, pas cette semaine, cette semaine, c'est hein. trop chaud. Par contre, la semaine prochaine, je reprends, il y aura des petits streams euh, jeux vidéo, il y en aura au moins mm -hmm. un. On ne sait pas encore trop sur quoi. Est-ce qu'il y aura du multi Un genre multi rigolo Il y a des il y a possibilités, hein, voilà. Sinon, oui, oui. <laughs> oui, voilà, on est d'accord. Hein. Ça va être rigolo, il y aura, il y aura des morts. Ça Et va hurler. J'ai fini les Go Marvel Super Heroes 2, j'y suis bientôt. Hein, Et voilà. puis ensuite, euh, ensuite. Euh, Et après fait, voilà. On ensuite, est on est d'accord. Mmh. Et euh, ensuite, bah, en fait, je ferai un petit jeu Telltales. Il hein, y a mmh. Telltales The Expanse. Ah oui, c'est vrai. Et surtout, en fait, j'ai vu qu'il n'était pas très long. Du coup, ça permet de le faire en deux sessions tranquillement. Ouais, c'est cool. Voilà. Euh, moi, je, je sais pas si je ferai peut-être un petit truc jeudi. Je sais pas du tout encore. Ça dépend si je peux avoir un invité. On verra. Parce que je t'avoue qu'en ce moment, donc je, 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 je l'évoquais rapidement. Euh, donc il y a comme Martin puis d'autres d'autres indés qui, qui nous contactent, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait se faire des interviews, des choses comme ça. Je vais pas trop en parler plus que ça. Ça s'organise, ça se prévoit, ça se machin, etc. Mmh. Mais voilà, vous, sachez que vous aurez sûrement des des entretiens, des petites chroniques de, de jeux indés parce que parce que c'est s'il passe. Je trouve de plus en plus de choses assez sympas. Oui. Euh, bien, bien créatif. Il euh, y a un beau bouillonnement, je trouve, en ce moment, là-dedans. Enfin, là-dedans. Quand je dis là-dedans, ce n'est pas péjoratif. Hein. Ah euh, non, non, non c'est même. Euh, et... ah quasiment ah ouais, ouais. 95% des bonnes idées du jeu de rôle actuel, ça vient ouais, du, de la SD. Ouais. Et euh, puis, des, puis des choses qui sortent de, bah, de, de ce qu'on a l'habitude de, de jouer, de faire, etc. Tu vois. Bah, aventure à plume, tu vois, c'est. Quand même voilà, vachement original et tout. Et là, on a eu un truc sur les corbeaux, là, et waouh wow, ça a l'air trop, trop bien. Donc, je vais, je vais commencer à lire ce truc. Je vous parlerai, et ça fait un moment que je vous en ai parlé, mais je vous ferai la chronique de Absinthe Mandibule, euh, mm. le jeu où tu joues, donc, euh, euh, fin 19e, début 20e, euh, façon steampunk, mais avec des insectes, à la place mm. de la technologie, qui, qui était vraiment, vraiment, très, très cool. Donc, voilà, c'est des petites choses qu'on qu va arriver. Donc, je ne sais pas si je dis, je ferai quelque chose. Dimanche pas sûr non plus donc je ne vais rien prévoir de particulier si ça arrive bah, vous serez ouais. prévenus en temps utile quoi voilà en ce moment voilà. pas de pression fait comme on peut voilà donc là cette semaine ça va être calme la semaine prochaine par contre voilà donc peut-être un peu bon. au moins stream euh, jeu vidéo mercredi ou vendredi on verra ça peut-être un papo un papotage indécent c'est possible aussi ouais. et euh, là il va y avoir euh, la, rétro la review de Vermin 47 oui, voilà, donc euh, la lecture est prête, le plan est prêt, il n'y aura plus que tournage, montage. Ça ne sera, okay. sera pas en live, ce sera enregistré, ce sera diffusé normalement semaine prochaine, semaine d'après. Voilà, vous inquiétez pas. La chose que je peux dire, c'est que ce dimanche, là, sur les réseaux sociaux, il y aura les consignes pour le concours ah. des 2000 abonnés, voilà. Euh, c'est juste que j'ai merdouillé sur un des visuels, du coup, je dois les refaire, c'est ma faute. <rire> <rire> oh bon, je suis pas bon. <laughs> Ouais, il y aura un concours sur trois plateformes, sur notre Discord, sur Instagram et sur Facebook. Et euh, pour l'occasion, euh, il y aura des, des bouquins à gagner. Mm. Il y aura toutes les, toutes les... les consignes, vous inquiétez pas. C'est relativement simple. Je pense que même moi bourré, j'y arriverai. Ouais. Moi, je, je vous invite aussi à regarder la vidéo qu'on a faite dimanche, euh, l'interview avec AIFRD oui. History, de Jordan Moger sur les JRPG et les adaptations jeux de rôle des JRPG. Donc les jeux vidéo, jeux de rôle sur... Mm. Japonais sur console et ordi, parce que maintenant on en retrouve plein. Donc euh, allez-y, dites tout ce que vous en pensez parce que c'est quand même un sacré boulot à, à organiser et planifier. On va pas se le, pas se mentir, <laughs> c'était quand même pas <laughs> mal de taf sur plongés dans, dans les JRPG, de voir ce qui a etc. Faire une, une mini sélection parce que j'avais envoyé une liste de plus d'une vingtaine, une trentaine de jeux ou de sagas mm. et on a réussi à en retenir que trois par personne. Est quand même, euh, c'est beau, c'est beau. C'est pas un mince exploit quoi. Donc franchement. Voilà, je me suis que d'avoir vos, vos retours là-dessus parce que, parce que on, on, on s'est bien défoncé <laughs> à l'organiser. Et puis surtout parce que c'est un sujet, je pense, qui est vachement intéressant, bah, surtout avec Fabula Ultima. Donc voilà. Oui. Et puis, bah, si vous avez vous aussi des idées de, de ce genre de choses qu'on peut organiser, n'hésitez pas, on est preneur On en a plein hein, d'idées, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Pas ce bon. qui manque, voilà. En fait, ce qui manque, prend... c'est plus euh, la motivation ou de se décider en mode. Le temps, cette fois. Même le temps, on l'a, c'est juste qu'on n'arrive pas à se décider on... sur lequel, parce qu'en fait, il y a trop d'idées, on ne sait pas laquelle choisir. <laughs> Oui, c'est ça. ça. C est c est vous grave. savez, c'est le, le, le problème Netflix. On est sur Netflix, on ne sait pas quoi choisir et au final, on a passé trois quarts d'heure à, à choisir, à regarder, à scroller pour savoir ce qu'on va faire alors qu'en fait, on aurait pu regarder quelque chose. Même principe pour les, les vidéos. On pourrait faire plein de choses. Sauf qu'il y a le document Word qui est là avec toutes les idées et on n'arrive pas à choisir. Ouais. Bref. Euh, donc. Du moins... <laughs> l'émission du moins bon jeu quand on a vu Pourquoi c'est Dark Souls ah ça oui même si Altered carbone n'est pas trop loin quand même hein, sous le podium voilà qu'il y en a un qui est bugué et l'autre qui est incompréhensible oh tiens j'ai failli l'oublier avant qu'on clôture euh... mais on en discutera avec Mnemos de toute façon pour les émissions littéraires mais ça j'ai vu ça parce que je viens de le voir Pax Elfica vous savez la super campagne de jeux de rôle des ah oui ça qui est un roman il y a un roman et signé en plus Pierre Grimbert, s'il vous plaît. Mmh, C'est vrai. Papa du secret de J, quoi. Donc, euh, trop bien. Donc, on va en reparler <laughs> avec les gens intéressés. intéressés tu vois Voilà. Oui. Ouais. Ok. Et eh ben voilà. Euh, donc, euh, groupe planning, groupe plein de choses. Hein. Cette fois, on va le faire. Promis. Bon. Euh, il est comme ça l'élection de la cartouche de bronze d'argent et d'or. Hmm. Mmh. Il y l'idée, là. Eh, petite ah, élection. De... Dans Bifrost, ça s'appelait les Razzie Awards. Ok. Ils ont arrêté parce qu'ils n'y plus personne à leur parler après derrière. Si on fait ça, c'est clair que ça... déjà qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui nous parlent. Alors là, il n'y a plus personne. Ouais. <laughs> si, si, Chama, ils ont fait un jeu Alter de carbone. Oui. Et qui est l'un des plus gros ratages que j'ai vu ces dernières années. Voilà. Vraiment. Ça, ça coûte cher. C'est moche. C'est incompréhensible. Il y a des choix de game design qui sont incompréhensibles. Tu dis ça parce que tu pas pris Stargate 5ème édition Franchement, je pense que ça aurait été meilleur. Parce pas que vu la, la 5 édition, édition. est <laughs> Mais je pense Alors... que la 5ème, elle marche. Non. Même si je l'aime pas. Elle... <laughs> oui, non, ah, mais mais non, même. Ça... Parce que là, c'était incompréhensible, vraiment. Hein. Je... La, la, vid la vidéo où j'en parlais avec Mehdi à l'époque, elle est quelque part, je retrouverai le lien. C'était infect comme jeu. Alors qu'à côté, vous aviez Into the Dark de Kobayashi qui fait la même chose pour pas cher. Je vous conseille. Eh oui. Bon, voilà, Into the Dark, qui s'inspire, voilà, voilà, on a Into the Dark, Into the Dark, l'un des meilleurs trucs qui existent pour faire du Z-Expand, du Altered carbone ce genre de choses, enfin pas du Z-Expand, du Eclipse Phase, Altered carbone tout ça, allez-y, hein. c'est de, de la bonne. Bon bref, euh, on est sur un mot de la fin qui n'en finit pas, voilà, j'insiste, mot de la fin, voilà, Donc, on va encore en parler. Moi j'allais dire bonsoir à tout le monde, c'était super cool, merci Antoine, c'est encore une oui. super émission. Voilà. <laughs> merci à toi. J'ai essayé de faire court, moi. <laughs> oh, non, mais c'est bien. <laughs> voilà. Vous parliez des jeux à niche et les arrêts les de Star Trek. Ouais. En même temps, Star Trek, ça a vraiment jamais marché. Hein. Des jeux de niche. Euh, bah, en tout cas, c'était super cool. Comme d'habitude, la rediff sur YouTube. Euh, vous demain, pas. demain soir, vous inquiétez pas. Ouais, donc abonnez-vous. Euh, la petite euh, ah. sur Twitch, n'hésitez pas parce qu'on essaie de faire grandir la communauté Twitch, donc mettez, euh, voilà si dans les amis il y en a qui sont intéressés, hop, un petit cœur pour suivre la chaîne et on voilà. est heureux. Et comme ça, vous aurez tif quand, quand on démarre. Exactement. Ouais, Super cool. De... Voilà. Parce que donc que voilà. fait des, des petits lives à l'arrache. Donc en tout cas, merci tout plein. Et puis, merci à tous. Et puis, voilà. Voilà. Et, bisous, comme et du coup, merci à tous. Passez une très bonne soirée et on vous dit à la prochaine. Allez, à bientôt. <laughs> Allez, salut tout le monde. Ciao.